Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée en notre compagnie et nous vous rappelons de ne pas oublier de ramener vos portables à la fin du spectacle. Merci. Ma voix, ce sera tout de même plus chaleureux, ma voix, hein, voilà. Allez. Oh, je pense à deux fois. Écoute, Gérard, ras-le-bol, mais alors là, carrément, ras-le-bol. Je sais pas si c'est vraiment chaleureux. On va écouter ce que ça donne. Écoute, Gérard, ras-le-bol, mais alors là, carrément, ras-le-bol. C'est peut-être un peu sec, non? Gérard, mon chéri, il ne faut pas m'en vouloir, mais ce soir, j'ai envie de changer d'atmosphère. Atmosphère. Ça fait un peu classique, hein. Bon, alors, voilà, autre chose. Gérard, voilà, je ne suis pas très douée pour la littérature, alors je te laisse cette cassette à ma voix, tu comprendras que je suis sincèrement désolée. Oui, désolée, vraiment. J'aurais voulu t'apprendre la chose avec ménagement. Voilà, je pars. D'ailleurs, ce n'est pas tellement de toi dont je suis là, sinon c'est de nous deux ensemble, du couple que nous formons deux fois par semaine, trois fois par semaine, voilà. Non, toi, il ne faut pas que tu changes. Tu es un compagnon adorable, attentionné, intelligent, sans surprise. Oui, voilà, sans surprise. Voilà, l'amant parfait. Bon, seulement ça fait 20 ans que tu es un amant parfait. D'abord très sémillant, et puis maintenant... Très, très charmant, très prévenant, voilà. Mais l'amour, à notre âge, tout ça, hein. Avoue qu'on finit par le faire presque avec mélancolie. On feuillette un album de photos. Oh là là, feuilleter les albums de photos, oui, il adore ça, il tourne et tourne les pages. Oh là là là. Ah oui, nous deux, à Venise, oui, c'est ça, oui. Une chaleur à crever, les monuments, quelle beauté, mes pieds, quelle douleur. La Bretagne, pas trop tant, l'Autriche sous la grêle. Non, je déteste ça, feuilleter, je déteste ça. Non, le passé, mais quel choc. On se voit jeune dans des vêtements démodés, l'album refermé, on se voit démodé dans des vêtements trop jeunes. Non, moi, ce que j'aime, c'est l'avenir, vous voyez. Bon, vous me direz, si c'est tout ce que vous avez à lui reprocher, feuilleter. Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est moi le fautif. Voilà. Écoute, Gérard, voilà, la tendresse et l'habitude ont pris le pas sur l'amour. Voilà, mardi, jeudi, samedi, ben écoute, on recollera jeudi. Et puis bon, non, peut-être pas, je verrai. Oh, il faut que je réfléchisse. Bon, écoute, je t'embrasse très affectueusement. Voilà, et je te demande pardon. Ah oui, il faut que je le dise encore. Voilà, je ne vais pas rejoindre un autre homme. Non, c'est juste une petite rupture de monotonie, comme ça. Voilà, il n'y a pas d'autre homme dans ma vie. Voilà. Oh, j'ai encore oublié quelque chose. Le bœuf angelé.
dans le frigo. J'en peux plus, moi, de ce bœuf angelé, mais j'en peux plus. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui le prépare, mais alors il passe plus. Bon, il faut quand même que je lui mette un petit mot. Voilà. Fais marcher le magnétophone. Voilà. Bon, et bien, j'ai plus qu'à faire ma petite fugue, moi. Alors, voilà. Oh non, le voilà. Oh non. Bon, ben, va falloir que je prenne sur moi, hein. Je fais ma fugue jeudi. Oui, ça va, bon, je t'attends depuis 24 heures, je peux peut-être patienter deux secondes. Hein. Ah. Vous permettez. Je reprends mon souffle, j'en profite. Oh. Ah, j'ai profité de la course pour faire un peu de jogging. Ah ben décidément, en fin de journée, c'est dur, d'ailleurs. Mais que voulez-vous, monsieur? Ah, vous donnez ça. Et qui êtes-vous? Bah, la rose d'Ispahan. Ah, la rose d'Ispahan. Oh, bah, comment n'ai-je pas deviné, la rose d'Ispahan? Ah, pardon. Oui, je suis fleuriste. La rose d'Ispahan, c'est le nom de ma boutique, c'est ça. Ah, d'accord. Et donc, ces fleurs sont divinement... Ces narcisses, quel parfum, dites. Oh, bah, vous respirez le parfum des fleurs à 10 mètres, vous, au moins 10 mètres. Je suis née. Ah bon, quand? Ben non, je suis née. Un nez, vous savez ce que c'est qu'un nez? Hein? Eh bien, c'est une personne qui a un don olfactif très poussé qu'on emploie chez les parfumeurs, enfin chez les créateurs parfums. Okay. Voilà. Je discerne, je dose, j'amalgame, je compose. Oh, voilà. Oh. Vous avez donc un nez très intéressant. Intéressant, jeune homme, c'est un petit peu court, hein? Oui, oui. Ah, oh, vous auriez pu poétique, vous auriez pu dire ce petit nez avec ses ailes me fait penser à un papillon sur une fleur. Intéressé. Ce nez, mais c'est de l'or en bas. Et dit les côtés en bourse. Voilà, merci. Ah. Eh bien, dites-moi. Oh non, pas dans ce vase-là. Mais regardez d'abord, il est moche. Je sais pas si ça en pense, mais il est moche, franchement. Et en plus, mes fleurs, j'ai trop froid, là. Je vais jeter dedans, forcément. Non, non, il faut quelque chose de joli. Oh, tenez. Celui-là, plutôt. Ah bon, ah, s'il vous plaît, ouais. Quelle chance. Ah, puis regardez, elle est... Meilleur, non, c'est un trophée, meilleur nez de Paris en 2000. Oui, mais dites-moi, oui. C'est quand même curieux, ça. Vous livrez les fleurs sans papier, vous? Ah oui, ouais, c'est que les fleurs, j'aime pas les faire souffrir sous cellophane. Ah. Ouais, les fleurs, hein. Oui, vous comprenez, les fleurs, ça aime respirer, et puis ça aime qu'on les respire. Ah, oui, oui. Un peu comme les femmes, quoi. Oui, bah, j'ai profité de leur parfum durant tout le chemin. Parce que si je les apporte moi-même, c'est que vous comprenez, à cette heure-ci, bah, je n'ai plus de commis. Ah, voilà, voilà. Et dites-moi, qui me les envoie? Parce que là, je ne vois pas de carton, là. Il y a ah non, papier, non. Il n'y a pas de carton, il y a... Cherchez pas, il y en a pas. Hein. Ah, bon. En fait, j'ai reçu un message téléphonique d'un collègue d'Ajaccio, Interflora aussi. Interflora. Ah, ah, je vous transmets. Ah bah oui, tant qu'à faire. Alors, ça donnait... avion raté, pardon. Oh, les excuses. Tendresse, au pluriel... Gérard! Ah, je vois. Voilà. Bon, et bien c'est bien, merci beaucoup, voilà. Oh non, non, vous plaisantez! Le fleuriste, c'est moi! Bah quand même! Enfin, bah, oui, mais je suis le patron, quoi, c'est ça que ça veut dire. Oui, et puis ça m'amusait de composer un bouquet à cette heure-ci, j'étais bien tranquille. J'avais fermé la boutique et puis je faisais quelques comptes, quoi. Ah ouais. Et bon, bah j'ai composé ce chef-d'œuvre amoureusement. Ouais. Je suis venu pour l'amour de l'art, pour l'amour des fleurs et pour l'amour de la promenade. Ouais, et maintenant que je vous vois, pour l'amour de vous. C'est gentil, ça. Écoutez, vos fleurs sont ravissantes et ravissamment mariées. C'est vrai que tous ces pastels, hein. Vous savez que ces petites roses thé ont un parfum de thé. Oh. Ah oui, de thé, hein. Vous ne connaissiez pas, non? Non. D'accord, oui. Voilà. Eh ben, merci. Je suis un peu navrée parce que je vous ai fait travailler tard, voilà. Eh oui, vous, là. Eh oui, eh bien. Bon, je vous aurais bien offert un verre, mais... Oh oui, alors, ça.
Oh non, Burke. Et en plus, il est difficile. Bon, écoutez, j'ai un petit muscadet au frigo, ça vous va? Ah, oh, c'est bien ça. Ah, bah, il est content, c'est bien. Vous savez ouvrir les bouteilles? Parce que alors moi, je me retrouve toujours asperger de la tête aux pieds et le bouchon à l'intérieur. En plus du tire-bouchon, il me faudrait une pince à épiler, un parapluie. Voilà. Oh, je me sens bien tout d'un coup à l'idée. À l'idée qu'il ne viendra pas ce soir. À l'idée de rester là chez moi avec ces fleurs ravissantes qui embaument, grâce à vous, enfin grâce à lui. Quoi. Oui. Le couvert là, c'est celui du fameux Gérard, c'est ça? Oui. Mm-hmm. Enfin. Bon. Edith, on trinque? Ah oui, pardon, excusez-moi. Eddie, je peux m'asseoir? Ah ben bah, dites donc, oui. Ah oui, quand même. Voilà. Bon, et alors dites-moi, oui. Le vôtre. Le mien, quel mien? Votre couvert. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Oh ben j'avais décidé de ne pas rester dîner, je ne savais pas trop. Mais tout ça, c'est une trop longue histoire, surtout sans aucun intérêt pour vous. Qu'est-ce qui vous fait rire? Oh, moi? Oh, il rit de lui, c'est bien ça. Non, mais parce que je pensais, là. J'apporte les fleurs de Gérard au moment où vous décidez de plaquer Gérard. C'est marrant, non? Bah, c'est marrant, quoi. Ça vous arrive souvent de jouer les romanciers? Et alors là, vous m'avez l'air d'être un romancier particulièrement culotté. Ah, ça, c'est vrai. Je suis très culotté. Ah bon? Oui, bien plus même que vous ne pouvez l'imaginer. Ah, oui, la preuve, c'est que j'ai une proposition très culottée à vous faire. Une proposition, à moi? Oui. Quel genre de proposition? Eh bien, vous rajoutez votre couvert. Mm-hmm. Et Patrick? Patrick, c'est moi. Enchanté. Eh bien, Patrick prend la place de Gérard à votre table et ensuite dans votre lit. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je disais, je prends la place de Gérard à votre table et ensuite dans votre lit cette nuit. Cette nuit, et sait-on jamais, peut-être quelques autres nuits. Hein. Mais j'avais bien compris. Oh, vous me décevez. Bah, c'est vrai, quoi, vous n'êtes pas très marrante. Bah, j'espérais tellement que vous me diriez « Oh, monsieur, oh, enfin, je ne suis pas la femme que vous croyez. » Bon, tant pis. Oh, minute, bon, poussez pas comme ça. Il n'y a pas de feu, une seconde. Oui, allez, hop, dehors. Bon, eh bien, au revoir. Oh, c'est vrai, quoi, ça, si on est tout le monde, on s'en sort pas. Et franchement, oh, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui vous paraît rédhibitoire? Oui, votre muflerie. Oh, et en dehors de ma muflerie? Oui, ben j'ai pas beaucoup qu'on se foute de ma figure, hein, d'accord? Bon, c'est vrai, quoi, j'ai peut-être pas beaucoup d'humour, mais alors le vote ne me fait pas rire du tout. Vous me choquez, vous me dégoûtez. Oh, mais... Et maintenant, ça suffit, sortez. Je me fous pas de votre figure, je me moquais pas, hein, figurez-vous. Non, non, non. Pourquoi croyez-vous que je me moque de vous? Ah, je sais. C'est parce que j'ai 40 ans. Et vous, plus de 60? Oh, et ça va, hein? Disons que j'ai une soixantaine qui m'échappe de plus en plus. Oh, minute, madame, minute! Oui, partez ou j'appelle la police. Oh, mais rassurez-vous, attristez-vous, hein. Je vais pas vous violer. Ah oui, ça, j'en suis sûr. Vous ne faites pas de quoi, mon petit vieux. Pas me violer, mais me voler. Ce ne serait pas la première fois que sous prétexte de livrer des fleurs, on dévalise. Oh, vous êtes ridicule. Alors comme ça, votre pauvre Gérard, ce serait le chef de bande, hein. Et puis il aurait tout manigancé depuis manigancé. Ah, oui, oui, oui. D'abord. Manigancé depuis déjà Axio. Ouais. Bon, allez, ça se finit maintenant. Oh, assez ri. Alors sortez, dépêchez-vous. Oh. Et qu'est-ce qu'il avait d'ailleurs au menu Gérard? Non, mais ça ne regarde pas. Oh mon Dieu. Quoi? Ben, les fleurs, on a oublié l'eau. Oh. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas la rose disparant, c'est la bulle disparant. Du bœuf en gelée. Oh, qui vous a dit que j'adorais le bœuf en gelée? Au revoir. Oh. Oh, soyez généreuse, soyez magnanime. Partagez le bœuf et la gelée avec un pauvre garçon qui a fait le boulevard à Spaille en courant pour vous apporter ce modeste coup.
bouquet. Ah, mais ça des fleurs, bon. Mais non, celui-là. Oh, Sainte-Valentine. Mais comment savez-vous que je m'appelle Valentine? Mais enfin, le message, les fleurs. N'était-il pas pour Valentine Matignon, 30 bis rue de Varennes? Oh, le bœuf en gelée, c'est ce que je préfère au monde. Ah bon? Moi aussi, décidément. Bon, allez, ne soyez pas ridicule, relevez-vous, bon sang. Bon, ben tant pis, hein. Dommage. Ah oui. Adieu, Valentine, adieu. Oui, oui. Vous le regretterez, hein? Oh, sûrement, oui. Par votre faute, nous ratons tous les deux un moment qui aurait pu être très agréable. Quel gâchis! Je n'en doute pas. C'est dommage? Oui. Enfin, si jamais vous avez besoin de fleurs. Les fleurs les plus belles et les plus rares de toute l'Europe verte se trouvent à la Rose d'Ispahan. Adieu. Attendez. J'ai gagné! J'avais parié avec moi-même que vous alliez me retenir. Non, mais n'importe quoi, quel prétentieux. Comment ça? Simplement, je veux que vous me donniez l'adresse de votre magasin. Vous ne l'avez pas donné. Hypocrite, ouais. Sale hypocrite. Enfin, la Rose d'Ispahan est dans tous les annuaires. Mais quel faucheton vous faites? Bon, je veux bien vous offrir un peu de bœuf en gelée, mais vous allez me promettre... Ah non, 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 je ne promets rien du tout. Ah, je ne suis ni un homme du monde, ni un homme de parole. Je ne promets ni d'être respectueux, ni d'être révérencieux, ni même d'être conventionnel. Non, belle sale gosse. Ah, ni de ne pas dire des incongruités. Oh. Alors ça, Valentine, il faudra vous y attendre, hein. Je serais impossible, vous m'entendez, Valentine? Impossible! Ce bœuf en gelée, je vous le sers par terre. Parce qu'à l'endroit, la tête en bas, ça me donne des boulures d'estomac. Je serais impossible, vous m'entendez, Valentine? Impossible! Ça, je sais, oui, vous savez, j'en ai maté d'autres, si vous me voyez au labo. Le nez au vent. Oui, bon, au lieu de dire rien, utilise. Prenez le couvert qui est là, moi je vais chercher le pain et les cornichons. Et au fait? Gérard, il est marrant. Oh, c'est pas l'adjectif qui lui convient le mieux. Non, mais si être marrant est une qualité, eh bien, elle n'est pas chez lui particulièrement développée. Par contre, il a toutes les autres. Enfin, presque toutes les autres. Ouais, ouais, je vois. Il est chiant, quoi. Alors, vous, par contre, hein, vous êtes une sacrée marrante. Hein. Oh, moi ah. À quoi voyez-vous ça? Je sais pas. À quelque chose dans l'œil qui ne demande qu'à s'allumer? Dans l'œil et dans tout le reste d'ailleurs. Si vous n'étiez pas marrante, vous ne m'auriez jamais supplié de rester. Parce que je vous ai supplié. Oh, et si je ne vous avais pas deviné marrante, ben je n'aurais jamais osé dire ce que j'ai dit ni osé faire le numéro que je pouvais faire. Oui, ben, écoutez, arrêtez de faire votre numéro, venez manger la. Asseyez-vous et mangez comme un gros quotidien bien élevé. Allez. Temps, oui, madame. Merci, madame. Après vous, madame. Un peu de vin, madame. Mm-hmm. Oui. Non, ça va, merci. J'ai oublié quelque chose. Ah, oh, c'est mieux, quand même. Oh, mon Dieu, oui. Vous manquez plus de ça. Le bœuf en gelée, c'est ce que je préfère au monde. Ah, oh, j'en ai marre. Enfin, ne me regardez pas comme ça, vous allez finir par m'intimider. Moi, je vous intimide, mais dites donc quelle prouesse, hein. Et bien alors, si je ne vous intimidais pas, je me demande ce que vous auriez exigé, en plus du lit et du couvert. Hein. Un baiser. Oui, bon, ça suffit, hein. Assis. Sinon, vous arrêtez immédiatement ce jeu-là. Sinon, vous laissez la bœuf en gelée, vous prenez vos cliques et vos claques. Hein. Je ne veux pas beaucoup qu'on se foute de ma gueule. Parce que ma gueule, figurez-vous, je la connais. Hein. Alors, c'est pas très gentil de vous moquer de moi. Je pourrais être votre mère. Oh, mais... Mais, il n'y a pas de mère. Oui, c'est vrai, je pourrais être votre mère. Enfin, quelque chose près. Oh, mais vous savez, oui. L'âge n'a pas beaucoup d'importance pour moi. Mais pas pour moi, si. Mais si, avec l'âge, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, quoi. Diane de Poitiers a bien su l'effacer, l'âge. Seulement, voilà, je ne suis ni Diane de Poitiers, ni Marie-Laure Boustifel. Marie-Laure Boustifel? Oui. Mais qui c'est, celle-là? Ah, oui, camarade de classe, scandaleusement bien conservée. Ménère! Vrai, quoi, moi, le pain beurré, les petits plats en furaison de ma ligne, là,
Les poignées d'amour sont devenues des brassées d'amour. Et puis alors, quand je me regarde dans ces miroirs grossissants, assassins, là, je les vois tous les petits micro-sillons. Mais taisez-vous à la fin. Oui, bah vous aussi, taisez-vous, je sais comment je suis. Je suis... appétissante. Appétissante comme une belle brioche qui a des dorés comme vrai, de sa boule dans son livre. Eh bien parfait, je vais pouvoir tourner en monstre. Écoutez jeune homme, je vais vous dire une bonne chose. Si je devais m'offrir un gigolo, je ne suis pas sûre que ce soit vous que je choisirais. Hein? Gigolo moi? Oh mais ma pauvre dame, si vous croyez m'impressionner avec votre HLM amélioré, je suis sûre que je suis bien plus riche que vous. Ah bon? Vous êtes sûr? Oh oui! Ah bah ça certainement, j'en suis sûr! Oui. Ce n'est pas avec vos 75! Dis donc, 80 mètres carrés! Ce n'est pas avec tout ça que vous pouvez lutter avec le 6 pièces pierre de taille tout confort sur jardin que j'ai hérité de maman! 6 pièces? Donc, je voudrais pas être indiscrète, mais vous y vivez seul? Oui, enfin pas tous les soirs! Ah bon? Ouais. Ça y est, âme sonnée. Oui, vous mourrez dans Nicolette Pelle sentimentale. Ça y est. Si. Je le lis dans vos yeux. Regardez-moi. Ah si, je le lis dans vos yeux. Vous vous dites, voyons voir, divorcé, marié, homosexuel, impuissant, vierge, sadique ou coureur de jupons. C'est tout. Oh, ça y en a plus là. Moi, je pourrais en avoir tenu autre. Hein. Devinez, ça fait un moment que ça vous démange. Hein. Non, vous savez, je peux très bien vivre sans vos confidences. Hein. Mmh. Ouf, alors là. D'accord. Oh, bah alors, hein. Pas de problème. Et bien alors, dites, oh. Ah. Ma vie. Oh mon Dieu. Mon Dieu, nous n'allons pas nous lancer dans le récit d'une vie aussi longue et aussi mouvementée. Sans quelque autre provision de bouche, là. C'est tant pis, vous aviez qu'à manger au lieu de parler. Là. J'ai eu à peine le temps de goûter. Vous en mangez. Je ne peux pas manger, c'est ce que je peux faire. Je vais aller chercher la mousse au chocolat, c'est la seule chose que ne rate pas Gisèle. D'accord. Ah oui. Bien. Je vous en sers un petit verre. Mais oui, mais oui. Voilà. Venez. Oh là. Oh, bueno. Oh mais en fait, qui est Gisèle, une fée? Oh là là, non. Oh non. Mais alors, Gisèle, c'est votre fille alors? Non, c'est ma femme de ménage. Votre femme de ménage, Gisèle? Ah bah dites donc, vous vous mouchez pas du coude, vous. Gisèle, mon petit, vous venez au garage après avoir vidé la poubelle. Gisèle, quel chic. Chic, en effet, elle est étudiante dans une école de mannequins. Hein? Voilà. Oui, entre deux leçons, deux maquillages, deux séances de pose pour des photographes bidons, et ben, elle vient chez moi où elle est totalement inefficace. Seulement voilà, Gisèle, je l'ai vu naître, sa maman est une amie d'enfance, et puis Gisèle n'a besoin de sous, elle est mère célibataire. Oh, et c'est un peu ce qui est arrivé à la mienne aussi, ça. Ah bon, maman était mariée, elle. Mais mon père l'a quitté juste après ma naissance, il est parti en Amérique du Sud, on n'en a plus jamais entendu parler. Bon, alors pour m'élever, maman aussi, elle a dû gagner sa vie. Hein. Eh oui, bien sûr, la pauvre. Mon Dieu, la pauvre. Bon, et femme de ménage, elle aussi. Ah non sûr. Non, femme entretenue. Ah, c'est pas pareil, non. En fait, elle s'est fait entretenir jusqu'à sa mort par des messieurs plus riches les uns que les autres. Et bon, moins elle était jeune, plus ces messieurs étaient vieux, et plus ils étaient riches, bien sûr. Oh, il faut dire qu'elle était très belle, maman. Oh, malheureux. Elle m'a adorée, pourrie, gâtée, emprisonnée dans ses bras. Ben, dès qu'elle y était seule, elle me mettait dans son lit, et puis elle me caressait. Ah bah d'accord. Elle m'appelait sa poulette, sa choupinette. Mais dites donc, étonnant que vous ne soyez pas devenu homosexuel. Oh, je l'ai été, figurez-vous. Ah bon? Oui, et jusqu'après mon service militaire. Alors bon. Et là, une amie de maman m'a remis dans le droit chemin. Ah oui, oui. Oh, bah alors tout s'explique. Quoi donc? Eh ben, je dois ressembler à une amie de votre mère. Ah non. Vous ressemblez à la fille d'une amie de ma mère. Ah. Elle devait pas être fraîche, hein, l'amie de votre mère. Enfin, de toute façon. En tout cas, depuis ce moment-là, j'ai toujours aimé les femmes. Oh, un homme à femme, ça se fait. Recette-moi un peu de vin. Bon, et vous? Oh, moi. Racontez-moi un peu, ouais. Je n'ai pris aucun chemin de traverse. Pour quitter une famille un peu trop bourgeoise, je me suis mariée jeune.
Et j'étais jeune encore quand l'autoroute m'a rendu veuve. Alors j'ai eu quelques liaisons sans importance. Et puis il y a 20 ans, un dîner assez ennuyeux, j'étais assise à côté de Gérard. Ah, le fameux Gérard. Voilà. Au liqueur, j'ai voulu appeler un taxi. Il a tenu à m'accompagner. Vous savez ce que c'est. Voilà. Il pleuvait, il on sait plus. Je lui ai dit de monter et prendre un parapluie. Voilà. Et puis, on a continué à se plaire beaucoup. Et puis 20 ans après, on se plaît encore beaucoup. Oui. Voilà, de plus en plus, de moins en moins, ça dépend des moments. Voilà. Et puis surtout, on a tellement les mêmes goûts, les mêmes opinions, qu'on finit par avoir les mêmes tics. Oui. Et puis bon, on n'a bientôt plus grand-chose à se raconter non plus. Hein. Vous savez, dans un coup, la trop bonne entente engendre souvent la monotonie. Avivement un peu de zizanie, hein, je vous jure. Mais comment pouvez-vous raconter de telles conneries, oh là là ? Non, il faut vraiment être stupide pour prétendre que l'harmonie engendre la monotonie. Ah non, non, ce n'est plus possible, je ne supporterai pas un mot de plus. Ah ! Adieu, je quitte cette maison. Eh non ! Surprise ! J'ai le plaisir de vous annoncer, chère madame, que cette minute de zizanie vous était offerte par la rose, non ? Le seul fleuriste qui sache sublimer les fleurs. Et donc, mon fauteuil là. Oh, pardon. Hein ? Ha ! Exquise la mousse. Oh, n'est-ce pas ? Et au fait, votre Gérard, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Eh bien, il est architecte. Alors, comme tous les architectes, il construit des chalets savoyards dans le sud de la Corse. Et il est jeune ? Oh, ben, je pense bien qu'il a mon âge, dites. Je repensais à ce que vous disiez. 20 ans. Oui. C'est un vieux ménage. Hein. Ah ben, je vous remercie. Oh, pardon. Oh. Charmant. Souriez. Souriez-moi. Bon, maintenant qu'on s'est tout appris sur nos vies. Oui. Écoutez, non, je voulais justement vous raconter comment on s'était aperçu que j'étais un vieux. Ça vous intéresse ? Non. Non ? Ah bon ? Ben, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir pourquoi et comment vous êtes devenu fleuriste. Voilà. Bon, ben, vous vous en foutez, mais je vais vous raconter quand même. Ouais. Bien, voilà, c'est simple. Je n'ai jamais pu passer un examen. Je ne savais faire qu'une seule chose, c'était inventer des fleurs et puis les dessiner. Mais oui, d'accord. Bon, mais comme les études ont renoncé à moi, eh bien, j'ai vécu agréablement et confortablement au crochet des messieurs qui entretenaient maman. Bien. Bon, quand maman est morte il y a 10 ans, la pauvre, eh bien, avec l'argent et les bijoux qu'elle m'a laissés, j'ai acheté la boutique. Oh, ce qui est drôle, c'est qu'elle appartenait à un fromager. Oh là là, tout un monde qu'il a fallu anéantir. Oui, j'imagine. Et quel monde. Alors là, ça m'a pris 3 mois pour arriver à changer l'atmosphère de la boutique. Et c'est devenu l'arrondissement. Bon, maintenant, c'est tout dit, non ? Non, je voulais savoir, hein, les fleurs, vous allez toujours les acheter tous les matins, je veux dire, à Rungis ? Non, en général, j'en reçois directement de certains horticulteurs de France, d'Allemagne, de Hollande, et même d'Asie, mais alors... Je vais vous poser encore une question. Oui. Je vous préviens. Je tombe sur le tapis et je simule une crise d'épilepsie. Oh, et croyez-moi, je sais très bien faire. Ah oui, parce que j'en ai beaucoup usé avec maman quand j'étais tout petit. Un jour, j'ai tellement bien joué à la comédie qu'elle m'a emmené chez le médecin. Le médecin, il a sorti une seringue grande comme ça. Il voulait vous transpercer. Bah, peut-être. Oh, et bon, bah, je lui ai fait un clin d'œil au médecin pour lui faire comprendre que je jouais à la comédie. Et il m'a fait un clin d'œil aussi. D'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle.
Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du sapin. J'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je suis une grande malade, moi. Marquez des malades comme moi, on en a vu des tas. Tenez, par exemple, au cinéma. En avons-nous vu des héroïnes avec des amants plus jeunes? Oh là là. Et alors au théâtre? Ah, je vous en parle pas, c'est par dizaines. Mais quand ça vous arrive, à vous, comme ça, dans la vraie vie, ben, croyez-moi, c'est quand même quelque chose. Ah oui, si vous l'avez prévu. Oui, je sais, il est tout fou. Et moi, est-ce que je suis pas toute folle, non? Ah, pardon. Ah, oui, il est grand, il est mince, il est... Oui, il est brun, et oui, et alors? Ah, moi, je suis blanc. Je vois pas le rapport. Hein, c'est pas, hein. Ah bon? Il est jeune, hein? Ah, oh, faut pas exagérer quand même. Hein. Il n'est pas si jeune que ça. Allons. Si vous me regardez consterné, vous vous dites, celle-là, quand elle va reprendre ses esprits, ben, elle va tomber de haut. Eh bien, je tomberai. Mais au moins, j'aurais su ce que c'était d'être en haut. Et d'être en haut, c'est... Ah, je vais vous dire, c'est fantastique. On est en l'air, on est l'air, on plane. Ah, j'avoue que j'avais oublié. Mon premier amour, c'était loin, tellement loin que je ne me rappelle même plus à quoi ça ressemblait. Eh bien là, ça ressemble à... Comment vous expliquer? Je fais du delta plane, voilà. Alors je plane au-dessus des rochers, au-dessus des villages, au-dessus des vallées, au-dessus des plaines, au-dessus des ruisseaux, au-dessus des feux rouges, voilà, et tout petit, insignifiant, inutile. Oh. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et là, vous me regardez, vous me dites, mais elle n'a pas honte. Eh bien, si j'ai honte, si j'ai honte. Mais que voulez-vous, on se retrouve un soir sans appétit devant son bœuf en gelée. Et c'est justement un soir où on aurait besoin de quelque chose qui vous chatouille les papilles, vous voyez. Et un ange passe, l'appétit revient miraculeusement. L'ange, on le saisit au vol et on le croque tout cru avec ses plumes. Oh, mais j'ai eu honte, oui, j'ai honte. Enfin, j'ai eu honte. Mais je vais vous dire une bonne chose. Toute honte bue et bien bue, c'est l'ivresse. Toi, Gisèle, mais qu'est-ce que tu viens faire? C'est pas ton jour, tu es déjà venu hier. Enfin, aujourd'hui, on n'est pas jeudi. Non, mais vous ne m'en voulez pas, Valentine. Mais figurez-vous que demain, je fais des photos avec un élève photographe. Alors, pareil que Vogue cherche des modèles bugs. Alors, je me suis dit que pour vous, un mercredi vaut bien un jeudi, hein? Non. Et puis moi, je risque quand même un gros coup. Ah, non, mais vous rendez compte? Vogue, hein? Mais si ça marche, quelle flèche! Ah, bah oui, en effet. Gisèle, mon petit, tu seras gentille de me rappeler de téléphoner au laveur de carreaux. On distingue plus le jour de la nuit. Et la prochaine fois que tu consens à faire mon lit, ne fais pas semblant, j'ai cru que tu me l'avais mis en portefeuille. Le laveur de carreaux? Oui, mais j'avais entendu, oui. Mais dites-moi, vous en faites une tête? Quelque chose qui cloche? Ça vous ennuie vraiment de chevaux? Mais non. Pas du tout, non, enfin bon, j'avais envie de bosser un peu.
barré. C'était les mecs les plus frileux. Oh, ça m'étonne pas. Coucou. Oh, pardon. Non mais, qu'est-ce qui vous arrive? Vous seriez pas en train de flipper, vous? Non, non. Non, vous ne flippez pas aujourd'hui. Ah non, je t'ai menti, là, je me suis donné congé, j'ai téléphoné au labo, je n'y irai pas. Mais vous n'êtes pas souffrante au moins? Oh non, au contraire. Non, non, simplement, j'ai l'impression qu'une main de fer me serre les chevilles, les poignets, la nuque. J'ai l'impression d'être comme paralysée, tu vois, là. Enfin, bon. Mais qu'est-ce que vous touillez, là? Vous faites un soufflé? Ça sent l'œuf? Oui, œuf, concombre et ammoniac. Pour remonter tout ça, le soufflé. Il y en a bien besoin, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Deux cafés? Monsieur Gérard a renoncé à son thé au lait? Mais ma parole, t'es devenu un autre homme. Un tout autre homme, Ghislaine, un tout autre homme. Il me semble quand même que vous arrivez à l'âge. Ah.
Bah, enfin, à l'âge où... À l'âge où la nuit sera dormir. Mais écoutez-moi, enfin. Mais d'où sortez-vous? De quel siècle êtes-vous? Du 19e? Hein? Enfin. Alors, les médias, les journaux, les satellites, etc., vous connaissez? Est-ce qu'on vous a appris qu'il y avait des lessives qui l'avaient plus blanc que blanc? Des marmottes qui enveloppent le chocolat dans le papier d'alu? Des couches blanches imperméables avec le petit élastique là? Non, hein? Non, alors, vous n'avez pas vu les statistiques? Vous ne savez donc pas qu'il y a 20% des femmes qui vivent avec des hommes plus jeunes? Alors, mais enfin, donc vous n'avez rien vu, rien lu, rien entendu, c'est ce que je disais, hein? C'est bon. Mais bon, soyez... Qu'est-ce qui vous fait donc dire que je n'ai plus l'âge d'être amoureuse, hein? Mais soyez un peu à la page, mon vieux! Oh, mais oui, j'aime un homme, et même un homme plus jeune. Il dit, oui, il est plus jeune que moi, et je suis à la page, et votre gaine... Et votre gaine... Les textes, vous l'avez sur votre campagne. Je crois, oui. Ah non, mais je m'en fous, moi, de tout ça. Je suis venu pour Coup de soleil et vous allez vous pencher sur Coup de soleil. Ah non, surtout pas aujourd'hui. Alors là, pas question, hein, là, plutôt mourir, hein. Aujourd'hui, je suis Cléopâtre, la Pompadour et Joséphine de Beauharnais réunies. Eh bien, ni Joséphine, ni la Pompadour, ni surtout Cléopâtre n'ira mettre son nez dans des flacons ni sur des mouillettes. Là. Enfin, Valentine, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Enfin, pour sacrifier ainsi votre métier et surtout ce cher Gérard, enfin, ce cher Gérard que ma femme et moi nous apprécions, que nous aimons infiniment. Enfin, je sais pas, moi, ça doit être. Eh ben, c'est inespéré. Imaginez-vous, camarade, imaginez-vous que vous ayez passé 20 ans, non sans agrément, sur le canal Saint-Martin. Et que d'un moment à l'autre, vous vous retrouviez bombardé là, sur la lagune à Venise, hein? Eh bien, vous passez de l'agrément au ravissement. Je suis dans un état de ravissement. Je plane. Alors là? Eh oui, alors là, mon nez ne vous servirait à rien aujourd'hui, mon nez est à Venise. je suis stupéfait. Moi qui vous croyais si heureuse avec Gérard, qui, Dieu sait, est un homme... Unique. C'est un homme unique, Gérard. Voilà, Gérard, je ne l'aime pas, je l'adore. Seulement, voilà, c'est pas la même chose. Je l'adore, oui, voilà. Ah oui, mais bon, Gérard est un ami irremplaçable. Alors, rassurez-vous, je ne remplace sans doute que momentanément. Hein. Et l'autre, là, le nouveau, il est comment? Oh, alors là, complètement différent. Vous voyez, avec Gérard, nous vieillissions ensemble agréablement. Voilà, j'avais l'impression de vivre avec un monsieur en veste d'intérieur et en pantoufles, je vais vous dire, avec un mari. Et bien maintenant, je prends des vacances avec un monsieur à col ouvert et qui porte des baskets. Dis-moi, chérie. Oui. Oh, pardon. Ah, il est là. Écoutez, je suis vraiment profondément navré que notre rencontre soit aussi brutale. Hein. Non, laisse, c'est une affaire d'homme. Si j'avais su, j'aurais préparé un petit laïus, mais je vous croyais en Corse pendant encore quelques temps. Bon, enfin... Mais t'inquiète pas, rassure-toi, je sais être diplomate. Eh bien, vous voyez, Valentine et moi, ça a été un peu comme... comme une brindille que l'on jette dans un feu mourant. Quand je veux dire mourant, je veux dire... Pourquoi? Ne dis rien, c'est pas l'âme que tu crois. Oh, alors ça... Oh, la boulette. Bon, ben, mille excuses de vous avoir dérangé. Hein. Moi, je me file au magasin. Écoute, je reviens pour déjeuner, ou peut-être avant, si mon commis n'a pas trop de livraison à faire. Voilà, ouais. Bégaye. Voilà que je te présente mon PDG, Monsieur Carmaret. Patrick, oui. Oh, ben dis donc, crois-tu que c'est bête? J'aurais quand même dû trouver le temps de te demander ton nom cette nuit. Voilà, alors Patrick, il est fleuriste, le nom de son magasin est tout un poème, la rose disparaît. Eh oui. Patrick Croisset. Ah, ben tu vas. Eh ben, il est encore là. Étonnement, vous le chantez joliment. Hein.
Enchanté, jeune homme. Monsieur, je vous supplie d'intervenir pour que Valentine daigne enfin travailler un peu ce matin. Ah non, je vous ai dit que je ne peux pas, je ne saurais pas. Oh, si, ça, je veux le voir. Valentine, oh, pour me faire plaisir. Oh, Valentine, hume. Oh, j'aimerais tellement le voir comment tu le fais, ton truc. C'est vrai. Oh, oui. Oh, oui. Oh là, bravo Valentine. Oh, tu me souffles. Ah bon? Oh là là.
Eh bien, nous en avons une chance tous les deux d'avoir une femme comme elle. Hein. Oh, arrête de dire des bêtises. Allez, file, je veux plus te voir. Allez, du vent. Hé, oublie pas la clé quand même. Merci, jeune homme. Hein. Bonne journée, merci pour votre appui. Valentine, oui. On revient sur ma première impression. Elle est très bien, jeune homme. Un peu vieux, mais très bien. Après, pour ce qui est des parfums, je le savais déjà, mais j'en ai encore aujourd'hui la preuve. Valentine, vous êtes un génie. Malheureusement, je crains que pour l'amour, il en soit autrement. Valentine, non mais certes, ce charme, garçon est charmant, mais enfin, vous n'avez quand même pas l'impression de... Enfin, je sais pas, vous devez vous sentir... Gamine, je me sens gamine, il n'y a rien de plus contagieux que la jeunesse, dis donc. Je me demande même si j'ai pas un petit peu d'acné juvénile. Ça est un petit peu ridicule, mais non? Mais bien sûr que je suis ridicule. Mais tellement ridicule que ça me fait rire. Je ris d'être aussi superbement, aussi magistralement ridicule, alors... Attention, Valentine. Ce genre de choses, ça peut devenir grave. Vous dites ça sur un ton aussi tragique, gars, que si j'avais 80 ans, je m'étais cassé l'école du fémur, alors... Non, mais on... Quand je pense à ce pauvre Gérard qui doit suer sans maillot là-bas en Corse, ça me fait rire. Et tu m'envoies des fleurs. Moi, ça me fait rire aussi, mais le pauvre quand même. C'est un ange, Gérard, un ange. Et un ange qui, cette fois, n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu la main heureuse, là, tu vois. Vous voyez, ouais. S'il avait pu imaginer, il m'aurait fait envoyer des chocolats. Par une vieille chocolatière. Vous, bravo, hein, pour ce qui est de la morale. Oh, non, mais si nous nous étions douté un seul instant, ma femme et moi... Karma, Ray. Parce que vous croyez que ce que vous faites dans le placard à balai soit tellement plus moral. Moi votre malheureuse secrétaire, mais sortez-la du placard et on y va passer 8 jours au Mont Saint-Michel, alors. Paulette et moi. Mais oui. Mais qui a bien pu vous dire une chose pareille? Mais qui au laboratoire ne pourrait pas dire une chose pareille? Allez, faites donc ce que je vous dis, emmenez Paulette. Alors. Marie-Gentiane est au sport d'hiver. Les moniteurs de ski doivent être sur les dents, là. Enfin, je disais qu'elle skie bien. Non, mais emmenez Paulette. Valentine, si j'avais su, vous et moi... Non, mais écoutez, Carmarec, vous n'allez pas remettre ça 15 ans après, hein, là, il y a prescription, hein. Bon, ça va, hein. Alors... Je peux bien te le dire à toi, tu es ma filleule, hein, un peu ma confidente.
Une jeune nonne, en quelque sorte. C'est qui, celle-là? Faut tout leur dire. Sans courant de rien. La bonne de Phèdre, ma chérie, voilà. Les pauvres malheureuses, elles ont très mal fini. Mais rassure-toi, Patrick et moi, ça ne pourra pas être tragique. Non, il y aura toujours ce rêve heureux. Heureux. Un nom fantastique. Oh mon Dieu, mais quelle nuit, quelle nuit. Mais le festival du film fantastique, un rêve. Un remake de Tarzan, voilà, j'étais gêne, la compagnie de Tarzan. J'allais de liane en liane, je me rends, moi, tu t'entends, moi, n'en écoute pas, tu es trop jeune. Mais pourtant, si tu savais, la forêt verte était puissante, mais caressante. Oh, j'allais, tous ces parfums du... que j'ai redécouvert, tu vois, j'avais l'impression, je m'en suis saoulée. La tubéreuse, le lys, le muguet et le muscle que je connaissais peu et tant d'autres parfums qui n'existent pas et que je ne retrouvais hélas jamais. Oh, oh mon Dieu. Hé, hey, Valentine, oui. du calme, mollo, mollo. Oh non, mais quel cinéma que vous faites là? Ben quoi, Gisèle, tu ne fais pas de cinéma toi, jamais? Pour ma tasse de thé à moi, ce serait plutôt... adjudant de la Légion étrangère. Oh! Ah non, CRS! Oh non, non, non! Oh, routier! Ah oui, j'aime bien les routiers. Oh, ils sont sympas! Ah oui, c'est vrai, ils sont sympas, ouais! Non, et puis un peu de brutalité, de cambouis! Non, parce que vous comprenez, Valentine, moi, du saut du lit jusqu'au moment où je me piote, je suis attifée, ondulée, manucurée, pédicurée. Alors, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me chahute un peu, qu'on arrache mes palpalas et qu'on efface mon maquillage! Ouh! Un routier qui arrêterait son 38 tonnes! Mollo. Calme, Gisèle. Ça vous va bien de calmer les autres à vous, hein? Oh, mais tu sais, tu m'as fait peur. T'avais les yeux exorbités, la lèvre gourmande de l'Alsacienne qui attaque sa choucroute. Figure-toi, Valentine, qu'il y avait encore un message fleuri d'Ajaccio, là. Ouais. Alors cette fois-ci, j'ai refusé du net. J'ai dit que je n'avais plus aucun bouton de fleur dans ma boutique. Oh, menteur. Ouais, je vois un peu, c'est vrai. C'est empilé, c'est moi qui l'ai choisi pour toi. Oh. Ouais, je te l'avoue. Magnifique. Tiens, laisse-moi te présenter à Ghislaine. Je crois qu'elle t'a aperçu léger et courbettu. Mademoiselle. Oh non, mais appelle-moi Ghislaine. Ah. Moi c'est Patrick. Hein. Tarzan. Pardon? Moi je vais devoir vous laisser. Hein. Dans une heure j'ai une leçon de pause en maillot de bain monté à Beaubourg. Alors il faut que je me prépare, que je me mette dans la peau du personnage. La chambre n'est pas faite. La salle de bain non plus d'ailleurs. Oh, mais d'accord. Ah non, mais si ma femme de ménage travaille comme moi, qu'est-ce que je gueulerais? Parce que toi tu es une femme de ménage aussi. Bah, attends, bien sûr, mais qui ferait ménage chez moi pendant que je le fais ici? J'essaye. Non mais attention, hein, il faut dire que chez moi, les femmes de ménage sont beaucoup moins chères qu'ici, hein. Voilà. Tout l'amour que j'ai pour toi, à Tartera. Dis donc, je sais pas si c'est lui qui grandit ou moi qui me tasse, mais il y a un truc. Bon, dis donc, Gisèle, avant de partir, tu peux mettre tes assiettes dans la vaisselle quand même. Et mes ongles, vous y avez pensé à mes ongles? Oh non, mais tu exagères quand même. Moi, je vais aller les voir dans cette école de mannequins. Mais je suis sûre qu'ils te laissent propre. Non, mais tu t'es regardé, Vince, t'as vu un peu à quoi tu ressembles? Enfin, pardon, je veux dire, tu... Oui, non. Ma taille? Oui. Non, mais à l'école, ils m'ont dit que la mode des échelons va passer. Hein. Ah bon? Ils misent toutes sur les petites bien proportionnées. Eh ben, tu as toutes les chances, ma chérie. Bon, ben moi, je vais plonger dans la baignoire. Parce que alors je viens déboter une plante pleine de piquants. Oh là, j'ai l'impression d'être un hérisson ou un cactus, je sais pas. Oh. Interflora. Pour l'orchidée. Oh là là. Moi j'ai l'impression d'être Guy West, d'être tournant pour un film à gros budget. Ben c'est sûr que pour cette vieille, c'est séduisant, c'est bon, hein? Ouais, oh, toi, la vieille, là, un peu de respect, hein? Du respect? Non, mais vous préféreriez une de ces femmes de ménage stylées qui miaulent « Oui, madame! Non, madame! » Et qui arrivent en gueulant à l'office. Non, mais l'autre vieille conne ne trouve pas l'eau de son thé assez chaude. Attends, je vais le débouillonner, moi, cette salope. Ah,
qu'est-ce qui t'arrive là? Mais qu'est-ce que tu as, on dirait une speakerine pour malentendant. Non, je voulais dire pas d'angoisse, hein. Je ferais vraiment rien pour vous le piquer. Alors là, c'est vraiment, mais alors vraiment pas mon genre. Je le trouve un peu tarte. Ah bah tant mieux, tu vois. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas? Mais pourquoi? Tu as besoin de quelque chose? J'aurais tellement aimé que tu me frottes le dos. Ah. Oh. Tu sais que tu as la main thaïlandaise? Ah bon? Ah, Mélie Montand, une grand-mère repasseuse de flou à Besançon et se retrouvait avec la main thaïlandaise. Bon, je savais que j'avais un nez en or. On m'a appris depuis peu que j'étais une bonne brioche appétissante. Pas la petite brioche d'une bouchée, là, la bonne brioche pour goûter de famille quand même. Alors la main thaïlandaise, alors ça m'ouvre des horizons tellement exotiques. Tellement lascif et tellement poétique que c'est une autre femme qui vous dit au revoir, le temps d'un aller-retour à Bangkok. Premier ministre, ça. Ah oui. Allez, viens,
Tiens, viens me raconter ta vie, pour demander qui t'a appris à danser si bien. Oh, ben, il y a une école à la mode symbolée, c'est très bien. Je sais plus en quelle année, j'ai gagné un concours de Charleston au casino de Trouville, tu vois. Oh. Et ça t'a aidé dans ta carrière, ça? Non, ça m'a aidé à trouver un mari, quoi. À cette époque-là, j'étais grande, maigre, les cheveux châtains, filasse, mais assez vierge quand même, tu vois. Et ben, malgré ça, j'ai plus prestige de la musique. Oh. Et tu n'aurais pas une photo à me montrer? Ah ben ça, lui aussi, il veut fighter. Comme ça, un album, à la deuxième photo, j'ai les droits au suicide, tu parles, j'ai plus de balancé au droit. Eh bien, moi, je te montrerai des photos de maman. Ah bon? Ah oui, il y en a de superbes. Hein? Dans des manteaux de toutes les fourrures du monde. Bah oui, comme elle se faisait entretenir. Ah, il y en avait de toutes sortes, hein. Du chinchilla à la panthère. Voilà. Et je les ai toutes gardées. Ah bon? Si tu veux, je t'en donnerai. Oh non, tu es un amour, là, c'est vrai, mais non. J'aime mieux que tu les donnes à quelqu'un d'autre. Tu vois, là, à tout prendre, j'aime mieux que ce ne soit pas moi qui te rappelle ta chère maman. Regardez quelques photos de tes albums. En premier communion, tu devais être charmant, non? Moi, en aube. Oh non, tu aurais vu ça. On aurait des commis troupiers qui fait un remplacement au pied levé dans une tragédie grecque. Voilà. Dis-moi, tu as songé à te marier? Avec toi? Oh, mais tu dis pas de bêtises alors. Le mariage, c'est bien à 20 ans, avec des bébés à la clé. Oh. À ce moment-là. Oh non, mais laisse sonner. Laisse. Non, c'est peut-être maman, la vie. Vierzon? Oui. Oh, quelle punition! Elle avait appris à se faire pardonner! Elle est âgée, elle est souffrante, je dormirai pas de la nuit. Allô? 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 Allô, allô, allô? Allô, allô, allô? Hein? Oh non, il a raccroché! Oh. Et qui c'était? Gérard. Ah. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, je suis au café en bas, là, j'achète du tabac et j'arrive. Allô? Je m'en doutais. Figure-toi, j'ai oublié de te dire quelque chose. Quoi? Ce matin, quand je suis revenu du magasin, j'ai croisé un fleuriste en bas qui t'apportait des fleurs. Oui. Tu te souviens le second message Interflora? Oui, j'avais compris, oui. Ouais, celui que j'ai refusé. Ouais. Eh bien, bon, j'ai dit au fleuriste que je te donnerais les fleurs, et dès qu'il a le dos tourné, hop, j'ai juste été le bouquet dans la poêle. Et pourquoi? D'abord, parce qu'elle venait de Gérard, ensuite, parce qu'il y avait un message à ce soir. Et puis surtout parce que c'était des glaïeuls. Ah. Et pourquoi des glaïeuls? Mais enfin, le glaïeul est vraiment la seule fleur que je haïsse. Ah bon? Ah, non content de ne rien sentir, le glaïeul est hautain, prétentieux, raide et hostile. Ah, des fers de lance. Mais comment peut-on oser envoyer des glaïeuls à une femme qu'on aime? Ah, le glaïeul est vraiment la seule fleur au monde qui soit mais bête et méchante. Tu trouves pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Où? Et tu trouves pas? Je trouve pas quoi là. Mais. Les glaïeuls. Attends, Patrick, mais nous avons une situation à affronter là. Oh, tu es super en tragédienne quand même, hein. Ah bon? Ah, si. Non, ça, il faut le jouer en comédie légère. Ah bon? Oui, je vais te le jouer, moi. Oui, mais dépêche-toi. Alors, ça devrait. Oh, Gérard, mon petit Gérard. J'ai une surprise pour toi. Non, ce n'est pas un cadeau. Non, ce n'est pas une bonne surprise. Pour toi seulement. Pour moi, l'homme que j'ai rencontré durant ton absence est au contraire une très bonne surprise. Oh, Gérard. Sachant que tu m'aimes, tu te consoleras de savoir que je suis heureuse. Ah, oui, facile à dire aux autres là, de prendre le large. Hein, là. Oui, facile. Hein, seulement, dis-le, fais-le. Moi, je m'aperçois que c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Eh bien, joue le tragique. Ah si, je vais te le faire aussi, ça. Attends, je me mets dans la peau du personnage. Oh. Oui, bah, Gérard. Oh. Gérard. Mon pauvre Gérard. J'ai une nouvelle amoureuse pour toi. Oh, et c'est encore plus affreux de savoir que je vais te faire la peine. J'aime un autre homme. Oh, je sais qu'il ne m'aime pas autant que tu m'aimes. Et je m'en veux. Je m'en veux d'être amoureuse. Oh. Va. Laisse la femme que je suis devenue à son destin.
Pendant que tu lui expliques, je vous laisse 15 minutes et je reviens. Et tu reviens? Oui. Et tu trouves normal de venir? Tu es donc sûr que c'est toi que je choisirai? Oui. Ah bon? Avant, tu n'as pas peur que, voyant Gérard, je fonde en larmes et en remords, non? Donc tu n'as pas peur, non? Tu n'as pas peur qu'il me pardonne et que je tombe dans ses bras en lui disant « Bon, fond, c'est toi que j'aime, reste. Oh, arrête. » Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Et pourquoi? Mais parce que tu sais très bien que si tu faisais une chose pareille, je te tuerais après m'être tué. Non, c'était pas comme ça. Ah, je me tuerais après t'avoir tué. Ah, c'est terrible. Pas du tout.
Mais si tu m'en veux, inutile de mentir, tu sais bien que je lis en toi comme dans un livre. Mais par mon petit vieux, va falloir t'acheter une loupe vite. Eh bien, sans loupe, je vois que tu es désagréable et distant. Eh bien, moi aussi, je lis très très bien dans tes yeux. Oui, et je lis, enfin, je le sens. Il y a une femme dans ton sillage. N'importe quoi, qu'est-ce que tu dis là? Oui, mais non, non, mais je dis ce que je sens, voilà. Non, ce n'est pas un émir, ça. Hein? Non, 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 non. Non, c'est du muguet, c'est donc une femme et elle est jeune. Attends, fais voir. Du santal, c'est une orientale. Du trèfle cornu, enfin du lotus, c'est peut-être bien une égyptienne. N'importe quoi, je te dis que c'était un émir et qu'il sentait le souk. Ah, oui, oui, oui. Dis donc, il ne serait pas un petit peu efféminé, ton émir? Ce n'est vraiment pas facile que de vivre avec un nez. Oui, alors? C'est ça. Oui. J'étais dans la foule. Oui. Et tout à coup, il y a eu... Oh. Un trou d'air. Oh. Oh, extraordinaire, incroyable. L'hôtesse de l'air a eu peur. Elle s'est accrochée à moi, je lui ai donné mon mouchoir. Elle a crié dedans pour éviter que les autres passagers entendent. Voilà, c'est simple, non? Eh bien, vous voyez, on me l'avait dit, ça. On m'avait dit que sur cette ligne, les hôtesses de l'air s'accrochaient beaucoup aux passagers. Je ne le croyais pas, mais c'est vrai. Oh, je l'ai vécu. Mais dis-moi, oui. Tu dois parler l'arabe comme grémaire maintenant. Pourquoi? Eh ben après toutes ces leçons particulières. Qu'est-ce que tu racontes? Non mais moi je raconte rien, je lis, c'est tout. On prend des lunettes, parce qu'on a beau être jeune. Voilà. Alors, voyons voir. C'est Hôtel Les Palmiers, Ajaccio. Pension pour deux personnes, chambre à un lit. Supplément, télévision, caviar, champagne, total 3200 euros. Eh ben dis-moi, tu dois lire Coran dans le texte maintenant. Tu vas trouver ça très drôle. Oui, très drôle. Attends, j'étais dans l'ascenseur. Et il y a eu un trou d'air. Voilà. Ah non, 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 non. Pas dans l'ascenseur, il y a un trou d'air dans l'ascenseur. Un problème technique, c'est tout. Bon, elle a eu peur. Elle s'est accrochée à moi. Bon, oui, d'accord, ok, c'était une égyptienne. Hein. Une petite, hein. Pas très jolie, hein. Ah bon? Fait avec des yeux en amande. De toutes petites amandes, hein. Ah ben tu vois, tu trouves ça drôle. Non, je ris de chagrin, je trouve pas ça drôle du tout. Non, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Ah, les hommes, vraiment, alors, dès qu'ils prennent un train, un autobus, un avion, faut s'attendre à ce qu'ils vous trompent, hein. Non, non. Alors, bon, mais tu n'as pas honte, monsieur Parenport, sous prétexte de travailler alors qu'il suivait une nymphette, une enfant, tu n'as pas honte de faire des choses pareilles? Des choses aussi contre nature, oh, hein? Tu exagères, y a pas de quoi! Quoi, y a pas de quoi, mais y a de quoi, y a de quoi vomir, oui? Me tromper, moi, moi qui t'ai été fidèle pendant 20 ans? Eh ben dis donc, oui, une esclave, voilà, une esclave encore jeune, qui a sacrifié les plus belles années de sa vie à soigner tes rhumatismes. Mais... une infirmière, et voilà ma récompense. Hein. Enfin, Valentine, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas dans ton état normal. Et voilà, c'est moi qui suis anormale maintenant. Moi qui n'étais là que pour me servir. Moi, la vestale, la maman. Oui, parfaitement, la maman qui aurait pu, j'aurais très bien pu m'envoyer en l'air aussi, oh, monsieur. Oh, oui, ben... parfaitement, c'est pas les occasions, hein. Bon. Oh, enfin, Valentine, quelque chose en toi ne tourne pas rond. Nous le connaissons. Non, nous ne nous connaissons plus. Mais... je ne peux plus avoir affaire à un affreux satyre qui viole de malheureuses petites filles exotiques. Mais... adieu. Mais enfin, Valentine, c'est de dire des bêtises. C'est ma petite fille, elle a 33 ans. Toi qui n'as pas eu une pensée pour la pauvre Valentine, qui elle ne pensait qu'à toi. Enfin, hein.
Alors, cette jeune femme a donc 33 ans. Ah, et ben voilà, mais c'est la gloire. Mon vieil amant Kakoshim est arrivé à séduire une étalière serpentine aux seins brunis et aux yeux de châle. Sa petite valise dans une main, douce d'ailleurs dans l'autre. Il revient tête basse chez moi. Moi qui étais ici, qui suis restée ici. Moi qui ne suis ni serpentine, ni brunie. Ah. Et pourquoi n'en as-tu pas profité plus longtemps? Tu aurais pu lui offrir ton corps pendant toute une semaine. Tant qu'à te lancer dans le stupre, hein. Non, ne me touche pas. Ne me touche plus. Adieu. Adieu. Mais... elle exagère quand même, hein. Une musique. Mon chéri, si je ne suis pas là, c'est que je suis dans ma chambre. Si je ne suis pas dans ma chambre, c'est que je suis dans la salle de bain. Mais où que je sois, je pense à toi. Viens me rejoindre sans tes patins à roulettes qui sont tragiques. Je t'aime, mon patrie. Mon chéri, si je ne suis pas là, c'est que je suis dans ma chambre. Si je ne suis pas dans ma chambre, c'est que je suis dans la salle de bain. Mais où que je sois, je pense à toi. Viens me rejoindre sans tes patins en roulette qui sont tragiques pour la moquette. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, mon patrie. Alors là, ça c'est le comble. Se fiche de moi, hein. T'as un objectif, lui. Gérard, tu voudras bien grignoter un petit peu quand même. Je n'ai pas faim. Ah bon? Je sais pas si c'est l'air marin ou quoi, mais tu as très bonne mine, tu vois. Ouais. Tant mieux. Mais si quelqu'un te voyait, là, il dirait qu'est-ce qu'il a bonne mine, celui-là. Alors, Gérard. Voilà, il faut que je t'avoue quelque chose. Là. Quoi? Ghislaine a fait la chambre. Non, c'est pas ça. Mais tu vois, là, je suis toute tourneboulée, là. Je sais pas si c'est parce qu'on est mardi, pas mercredi, je sais plus. Si c'est parce que Ghislaine n'est pas venue. Enfin, si, elle est venue, mais pas tout le monde est venu aujourd'hui. Alors, c'est pour ça, peut-être, que je me sens toute perturbée, là, tu vois. Tu veux peut-être que je parte? Ah, tu préfères rentrer chez toi? Non, toi, tu préfères peut-être que je parte. Tu sais, Valentine, hein, t'as objectif lune. Tu as raison de vouloir te cultiver. Tu sais, Gérard, détends-toi, écoute, détends-toi et assieds-toi. Ah, mais t'es assis, bon, ça. Tôt ou tard, il faudra bien que... Qu'est-ce qu'il faudra bien, tôt ou tard? Eh bien, tôt ou tard, il faudra... Tôt ou tard, eh ben, tu seras toujours bien mieux à la maison, voilà. Même le mercredi. Écoute, je t'en prie, oublions tout ça, écoute. Ce coup de sang encore, je vais le mettre sur le coup de la chaleur, d'accord? Hein? Voilà, on oublie tout, d'accord? D'accord. Oui. Valentine, j'aime ton indulgence, hein, ton esprit sportif. J'aime ta classe. Ah, si, je t'assure. Tu es vraiment une femme formidable. Et de te savoir, toi, si fidèle. N'exagérons rien. Oh, si, je t'assure, j'ai des remords. D'ailleurs, tu sais que j'ai lu un article très intéressant dans l'avion à propos de la mode des patins à roulettes. Tu crois que je pourrais m'y mettre? Eh ben... Ah... Tu parles des patins à roulettes, là, ça? Oui, pas ça, là. Les deux pieds, là. Oui. Eh ben, écoute... Si c'est la mode, faudra bien t'y mettre, hein? À propos, tu m'as toujours pas dit ce que tu avais fait pendant mon absence. Ah bon, je t'ai pas dit? Non. Oh, ben, on a dû parler d'autres choses, là, j'ai...
Tu sais, tu connais ma vie de chimiste, là, hein. Bon, le labo, Carmarec, le train-train, quoi. Ah bon? Pourtant, il me semble que tu m'avais dit que tu n'y étais pas allée. Ah, moi, je t'ai dit ça, moi. Oui. La première nouvelle. Et si on mettait un peu de musique? Mon chéri, si je ne suis pas là, c'est que je suis dans ma chambre. Si je ne suis pas dans ma chambre, c'est que je suis dans la salle de bain. Mais où que je sois, je pense à toi. Viens me rejoindre sans tes patins à roulettes qui sont tragiques pour la roquette. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, patrie. Nous sommes la force vive, épanouie et désirable de la nation. C'est exaltant, ça, non? Autre chose que ta sordide histoire. Autre chose. Tu as quand même couché avec un homme. Et tu as l'intention de recommencer. C'est pas une passade, ça. Tu sais ce que c'est? C'est un adultère organisé. C'est dégoûtant. Mais d'abord, c'est pas un adultère. Nous ne sommes pas mariés. Oh. Et c'est pas dégoûtant. Ah bon? Non, c'est chrétien. On partage le manteau de Saint-Martin. Non, c'est pas vrai. Non. J'ai toute ma tête. Eh ben, on ne dirait pas, hein. Et tu l'aimes? Ah, ben, je sais pas si je l'aime, mais alors ce dont je suis sûre, c'est que j'en suis folle. Mais bien sûr, je suppose que lui est fou de toi. En tout cas, il fait tout ce qu'il faut pour me le faire croire. Et ça dure depuis combien de temps? Depuis hier. Oh! Mais c'est monstrueux! Mais c'est pas monstrueux! C'est charmant. Oh, et puis c'est toi qui m'as envoyé à la fin. Ah oui, j'ai oublié de te remercier, tiens, d'ailleurs. Remercie-moi. Mais oui, hein? les fleurs, la Corse, enfin... mais oui, c'est le fleuriste. Mais quel fleuriste? Mais enfin, mais c'est le fleuriste de la Corse, Veni, Vidi, Vici. Le fleuriste est venu, il m'a vu, il m'a vaincu. Voilà. Mon fleuriste, alors là, c'est le comble. Ah oui, le comble de l'harmonie. Nous sommes tous les deux dans les parfums, dis donc. Et il est plus jeune que moi. Ah, laisse-moi te regarder. Tu es peut-être un peu loin, là. Oui, un petit peu, quand même. Alors là, je suis abasourdi. Eh oui, le remords, ou peut-être le chagrin d'avoir abandonné encore cette malheureuse enfant. Oh, oh je t'en prie, hein. Puis elle n'est plus en Corse, elle est au Ritz. Ah bah bravo, t'as suivi? Oui, on a pris le même avion, mais c'est tout à fait par hasard. Ah oui. Et puis on s'est quitté à Orly, oui. Voilà, bah tiens, chef fleuriste, c'est même elle qui a choisi les glaïeux. Oui, bah ça, je l'avais senti. Oh, c'est un coup de feu. Un coup de feu et les cendres sont au Ritz encore tièdes. Qui me dit qu'il ne va pas aller les raviver, hein? Mais tu vas pas me dire que tu es jalouse quand même. Ah non, c'est beaucoup plus grave que ça. J'ai de la peine. Bon, écoute, on s'est quitté en Orly,
Voilà, c'est simple, non? Oui, bien sûr, oui. En vous disant quoi? En vous disant quoi? Eh ben, au revoir! Eh ben, tu vois? Mais quoi, je vois? Eh ben, au revoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire, revoyons-nous! Henri, merde à la fin! Je suis en rêve étrange cette nuit. Vous couriez après toute la nuit, là, sans jamais vous rattraper. Et ben voilà, je suis éveillée. Ils se sont retrouvés, et donc je les présente. Patrick, Gérard, pas de curriculum, hein, vous avez entendu parler chacun l'un de l'autre par l'incorrigible bavard que je suis, voilà. Il y a des moments dans la vie où on aimerait être une naufragée, nue, amnésique et bronzée sur un matelas pneumatique à la dérive dans l'océan Atlantique. Entre les îles du vent et les îles sous le vent. Madame Matignon, vous réviserez votre géographie, s'il vous plaît. Mais on verra. Bon. Alors, on le passe comment, ce moment de choix? Ce moment rare? Assis, debout, couche-queux. Un verre à la main. Je t'ai menti, j'ai encore du muscadet au frigo, tu en veux? Non. Bon. Ben, j'avais bien lu, quand j'étais jeune, un livre trouvé dans la bibliothèque de ma mère. Ce livre était écrit par une vicomtesse dont j'ai complètement oublié le nom. Il disait, un chapitre qui disait « Conseil à une femme du monde ayant la chance d'avoir un mari et le bonheur d'avoir un ou plusieurs amants ». Malheureusement, j'ai complètement oublié. C'est dommage parce que ça nous aurait bien servi. Eh bien écoutez, tant pis, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais moi, je vais m'asseoir. Tu vas pas me dire que c'est lui? Eh bien, bien sûr que si, c'est lui. Eh oui, c'est moi. Et lui, c'est bien lui cette fois-ci? Oh oui, c'est bien lui. Mais alors, c'est pas, il va te marcher, ça prendra pas. Ah oui, tu as raison. Je l'ai loué chez le traiteur avec les petits fours. De tes incartades corsico-africaines. Ah oui, parce que tu ne sais pas. Pendant que nous jouions le blé en l'air de ce côté de la Méditerranée, Gérard, de l'autre côté, sur l'autre rive, jouait l'homme en fleurs avec une jeune orientale. Faut croire que le goût de la jeunesse est comme les grands parfums. Ça diffuse bien. Hein. Regarde-moi bien dans les yeux. Oh, mais je te regarde dans les yeux. Je te regarde et sais-tu ce que j'y vois? J'y vois une incompréhension totale. Totalement et scandaleusement phallocrate, et qui dit ceci. Il est tout à fait normal, et même flatteur, qu'un homme de beaucoup plus de 50 ans séduise une jeune femme. Et il est tout à fait anormal et scandaleux qu'une femme qui frise, qui a frisé ou défrisé la soixante, séduise un jeune homme. Voilà. Je ne sais pas si tu lis très bien dans mes yeux, mais alors moi, je lis parfaitement dans les tiens, tu vois. Je ne trouve pas les mots quand je vois ce garçon. À côté de moi. Ah oui, vraiment, oui. Tu... Vous trouvez pas beau? Eh bien, on pourrait s'amuser à jouer. Oh, on pourrait faire un jeu de société. Le Scrabble. Si. Bah, comme ça, on pourrait deviner les mots. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Scandaleux. Épiphénoménal, ça c'est bien, ça j'aime bien. Ou alors, abracadabrantesque. Ah bah dis donc, ouais, mais c'est un peu long. Si, octagonal, ça passe. Ou alors, un autre jeu. On pourrait jouer au portrait chinois. Le portrait chinois, c'est et si c'était un parfum, ce serait. Ou alors, et si c'était une fleur, ce serait. Non, mieux. Si on jouait au jeu de la vérité. Ah, c'est bien ça. Non? Quoi, on va quand même pas passer toute la nuit, hein. Je te balance une réplique aigre douce et je te renverrai une réplique de sa mère. Excusez-moi, jeune homme, j'ai pas envie de jouer ce soir. Je voudrais que les choses soient prises un petit peu plus sérieuses. Qu'elles soient prises de manière... Non, vous fatiguez pas. Ah non, ça, inutile d'insister. Ça, c'est comme certaines mayonnaises. Ça prendra pas. Les mayonnaises, quand elles veulent pas prendre, vous allez vous rajouter 100 grammes de moutarde. Ah, c'est vrai. Le pot complet, s'il faut. Un, ou deux, trois, quatre, toute la boîte. Eh ben non, elle retombe. Y a rien à faire. Tout le pot de mayonnaise. Ah ben non, le moutarde. Non, vous comprenez, Gérard. Oh, vous permettez que je vous appelle Gérard? Non. Mais si, quand même, parce que étant donné qu'on est à
amené à se revoir, autant vous tout de suite être copains. Pardon ? Non, vous voyez, Gérard, Valentine et moi, nous, on a envie de se marier. Et là, là, vous voyez, ben, je me sens parti pour nous chanter la passion selon Saint-Gérard. Ça ne prendra pas. La situation, comme vous dites, ne prendra pas. Valentine et moi, nous, on a... Tout nous met en joie. Alors que là, vous, le remords d'avoir trompé Valentine. Et la jalousie d'être trompée, ben... Ça se mélange, hein. Ouais, ça se colmate. Ça fait du béton là-dedans. Vous êtes bétonné à l'intérieur, là. Vous êtes... Sinistre. Mais dites tout de suite que je suis sinistre. Ben, je vais vous faire un aveu. J'ai dépensé très fort. Mais je me suis retenu à temps et le mot n'a pas passé d'une lèvre. Je suis peut-être sinistre, mais vous savez ce que vous êtes toujours là. Ça suffit. Ça suffit. J'ai beaucoup réfléchi. Et le résultat de cette mûre réflexion, c'est qu'il faut que je réfléchisse encore. Alors, vous allez être des amours, vous allez rentrer sagement chez vous, et je vous téléphonerai. Voilà, pour me faire plaisir. À cette heure-ci, oh non, Valentine. Non, si, allez, faites-moi plaisir. J'ai besoin d'être seule, d'accord? Oh, mais non, je ne veux pas vous embrasser tous les deux, non? Oh, ça, c'est bon, ça. Mais oui, comme ça, nous verrions celui qui provoque chez vous, cher ami, le plus grand tremblement de cœur et de corps. Voilà, on va s'embrasser tous les trois. Mais si, comme les footballeurs après un but. Non, mais excuse-moi, mais tu dis toujours des bêtises, toi. Oui, moi je dis des choses sérieuses. Nous en avons déjà parlé souvent, tous les deux. Et si on se mariait? Non, c'est pas vrai. Voilà que pour... Ah non, mais alors, vraiment, alors là, et pour détendre l'atmosphère, ils disent des incongruités. Là, ils me proposent le pire, là. Alors déjà, 3 soirs par semaine, on fait déjà avec le ménage. Mais alors, 6 soirs, enfin, 7 soirs par semaine, alors là, on est bon à mettre dans l'album photo avec les grands-parents, hein. Alors là... Mais nous avons l'âge, quand même. Toi, tu as l'âge. Moi, non. En 24 heures, j'ai perdu 24 ans. Zut, je croyais que ça se voyait, quand même. Valentine. Oui. Je dis les choses sérieuses, moi aussi. Ah bon? Et si on se mariait? Au lieu de quoi? Lui, c'est un fou. Mais un fou qui me fait rire parce qu'il se fout de moi, tu vois. Voilà. Allez, ne faites pas cette tête d'enterrement, tous les deux, là. Vous allez me faire pleurer, là. Non, allez, soyez gentils. J'ai besoin d'être seule. Allez, je vous téléphonerai, je vous le promets. Rentrez sagement, vous couchez chacun chez vous. Voilà. Bonsoir, merci pour me faire plaisir. C'est trop drôle quand même. Gérard et moi, on a eu envie, en même temps, on a eu envie, on a eu besoin, en même temps, après 1000 kilomètres de distance, de faire des folies. Ah non, qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là dans l'air? Un astrologue me le dirait peut-être. Vénus a dû rencontrer quelques planètes coquines en chasse, je pense. Ouh, bah dites donc, on a beau être jeune, hein. Si je reprends pas un peu mon souffle, le cœur va craquer, hein. Le cœur et tout le reste, d'ailleurs. J'ai l'impression d'avoir glissé de la planche à voile et de m'être fait rouler sur des kilomètres par un raz-de-marée. Ah, je vous avoue qu'après la houle, un peu de repos, oh, ça fait du bien. Hé, hey, coucou! Jérôme, mon amour! Oh, Jérôme! Mesdames et messieurs, 15 minutes d'entrée.
On va tout raconter à sa maman. D'accord? Écoute, Jérôme, non, mais c'est vrai, ça fait 6 ans que je te supplie de venir passer des vacances avec moi. 6 ans que tu trouves toujours un prétexte pour ne pas venir. C'est vrai, quoi, t'en rares lettres, une de toi pour 10 des miennes. Enfin, ma petite maman, tu sais très bien qu'une plantation, ça ne se vend pas facilement. Hein. Ça, c'est pas très bien. Bon, puis pour les lettres, hein, moi, la littérature, tu sais, mon niveau. Oui, oh, ça, nous avons su définitivement à cette 6e tragique et fatale tentative de baccalauréat. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait débarquer hier à minuit sans tambour ni trompette? Une femme. Une femme? Voilà qui est intéressant, elle habite donc Paris? Oh là non, la Marie-Galante. Et je vais même te dire mieux, j'ai l'intention de l'épouser. Oh, mais c'est merveilleux! Mon chéri, c'est merveilleux! Oh, je vais être grand-mère! Peut-être pas, c'est pas le monde que j'aurais choisi, là, oui. Enfin bon, je sens que je vais adorer mon petit-fils, là. Mais dis-moi, tu as une photo de Rosélu? Mais elle a quoi faire, elle est là. Elle est là où là? Eh bien, à l'hôtel avec sa maman. Ah, ah oui, nous sommes venus en groupe. Ah, alors dis-moi simplement, pour que je n'ai pas de surprise, c'est une dame. Ce sont des dames blanches ou des dames noires? Blanches. La maman Montillé est veuve. J'aimerais que tu connaisses sa fille que je vais épouser, Cerise. Cerise? Oui, Cerise. Ma première cerise, dis donc. Elle doit être approquée. Oh là là, la plantation Montillé est superbe. Hein. De la canne à sucre, beaucoup de canne à sucre. Bon. Si tu savais comme ça rapporte gros. On veut te décider d'ailleurs à venir là-bas pour la noce. Hein. Hey, un voyage de noce. Enfin non, je veux dire, un voyage pour une noce. Mais écoute, je dis pas non. J'ai hâte de connaître cette petite cerise. Alors écoute, je vais aller passer une veste. Et toi, eh bien, toi, tu ramasseras tout ça, tu le mettras à la cuisine, d'accord? À tout de suite, mon chéri. Et dans un cadre idyllique, oh, il paraît que votre plantation de canne à sucre est un ravissement. Elle est encore au nom de maman, mais j'en hériterai. Ah bon, mais vous avez aussi votre maman. Oh, ah,
Le climat aux Antilles doit être merveilleux. Je sens que je vais aller y faire une cure de jouvence, moi, là-bas. Pauvre maman, elle commence à être un peu fatiguée. Le décalage horaire l'a beaucoup perturbée. Parce que vous avez aussi amené votre maman? Mais enfin, était-ce bien raisonnable, la pauvre? C'est qu'elle mourrait d'envie de vous connaître, elle aussi. Oh, mais moi aussi, c'est vrai, je serais heureuse de la rencontrer. Oh, pauvre chère grand-maman qui a été un peu décalée. Oh. C'est vrai que les mariages ne rajeunissent pas les grands-mamans. Les mamans non plus, n'est-ce pas, chère amie? Vous faites si jeune, chère madame. J'ai été surprise en vous voyant. Ah, moi aussi, j'ai été très surprise en vous voyant. Vous faites très jeune aussi. Il est vrai que nous sommes à une époque où nous, les grandes aînées, nous nous maintenons. Il faut tenir le coup, n'est-ce pas? Il faut lutter, luttons, chère amie, le dos au mur, luttons, parce que... Il faut bien l'avouer, hein, c'est la lutte finale. Après, la lutte sera inutile. Dans 10 ans, ce sera le déluge, notre déluge. Hein. Mais enfin bon, parlons de choses plus gaies, voyons. Parlons des enfants, voilà. Alors moi, je serais ravie de connaître votre maman, mais alors ce qui me ravirait surtout, c'est de faire la connaissance de ma future belle-fille. Elle vous ressemble? Je ne vous comprends pas bien. Je dis, j'ai hâte de connaître Cerise. Mais Cerise, c'est moi. Je ne comprends pas bien. Je dis, Cerise, c'est moi. Non, c'est pas vrai. Non, ah non, pas à moi, pas à vous, pas. Non, c'est pas toi, écoute, hein. Il faut absolument que je te parle tout de suite de quelque chose. Écoute, là, j'ai un problème de famille à régler. Mais sommage, madame. Vous avez fait bon voyage depuis Vierzon. Mais non, idiot, c'est pas maman. Cerise, Montillet, la rose d'Ispahan. Voilà, laisse-nous maintenant. Madame. Mademoiselle, pour quelques temps encore. Bon, à bientôt, ma petite couette. Écoutez, mademoiselle. Appelez-moi Cerise. Ah bon, eh ben allons-y pour Cerise. Si elle m'appelle belle-maman, alors va. Bon, alors écoutez, Cerise. Non, mais vous ne pensez pas que... que Brigitte conviendrait mieux à votre physique, là. C'est ce que je me tue à dire à Jérôme. Mais il ne veut pas en démordre. C'est lui qui m'a baptisé Cerise la première fois que... Vous voyez ce que je veux dire? Non. Je veux dire la première fois. Vous voyez? Ah oui, je crois que je vois, oui, oh là, la chaleur, les palétuviers, les moustiques, l'alcool de betterave, la sieste lourde et une seule femme à bord, oui. Et ce viol, lui, Jérôme ne m'a pas violée. Ah lui, non, bien sûr, mais... La chose, enfin, cette chose, se passa pour la première fois il y a 6 ans. Et pour moi... C'était vraiment la première fois. Oh. Il y a 6 ans. Mais Jérôme était un enfant. Mon petit, mon bébé. Mais comment fuir? Mais comment pouvait-il faire autrement dans cette brousse desséchée, déserte? Et ça s'est passé? Dans les cannes à sucre. Ça devait être confortable, c'est bien. Mais madame, après 18 mois d'hésitation, de combats intérieurs, mon éducation, mes principes religieux m'ont beaucoup fait hésiter. Ah bon? Alors vous avez hésité 6 mois? Combien vous avez dit? 18 mois, 6 ans. Oui, 6 ans. Ah bon? Et ouais. Ben dis donc. Et ben dis donc. Oh, et ben Dieu. Oh là 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 là. Là, j'en suis sans. Il faudrait peut-être que j'ai une petite aide. Vous savez... Vous
vous savez... 6 pages avant. Quelle leçon! Oh, vous savez, Jérôme hésitait encore plus que moi. Oui, oh, ben ça, je comprends. Hein. Je veux dire. Non, mais dites-moi, c'est normal, voilà, il est très timide, comme son père, voilà. Mais dites-moi, de vivre avec mon grand Adelphis comme ça, là, ça ne vous donne pas de complexe, cette jeunesse, non? Non. Je me suis persuadée une fois pour toutes que j'étais plus jeune que lui. Ben voilà, il fallait y penser. Ah, oh, ça m'a pas effleuré. Vous savez que vous m'ouvrez des horizons, vous, hein? Nous vivions dans le péché, non, bien sûr. Mais j'étais heureuse. Et depuis un mois, il est très, très impatient. Parce que, depuis sa demande officielle, nous sommes des étrangers l'un pour l'autre. Mon Dieu, et pourquoi? Parce que je tiens à me marier en blanc. Ah, je me marierai jeune fille. Ah bah oui, sûrement, oui. J'y tiens, hein. Ah, pas seulement pour maman, mais pour ma paix intérieure. Ah oui, madame. Oui, oh, c'est bien le blanc. Hein. C'est vrai qu'au dom-tom, c'est de rigueur quand même, hein, oui. C'est bien le blanc, c'est flatteur, oui. Puis ça rajeunit. Enfin, le blanc, c'est bien, mais voilà. Oh, je sais ce qui vous chiffonne. Oui, oui, je m'en doute, oui, j'imagine, oui. C'est la différence. Et elle est de taille. La différence de fortune. Oui, je sais, je suis une riche héritière et Jérôme est sans espérance. Alors, il faut bien l'avouer, un peu nonchalant. Oui, là, je vous trouve indulgente. Hein. Oh, mais je ne le juge pas. Je l'aime tel qu'il est. Et dites-moi, en ce qui concerne la différence d'âge, là, ça ne vous dérange pas? Vous ne craignez pas le ridicule? Non, oh, je sais bien que là-bas, au dom-tom, le qu'en dira-t-on des tigres et des autruches, hein? Mais bon. Comme on dit chez nous, à la Marie Galante, « Ouché, ou deux, y'a mis fissa, plus, plus. » Ah bon, ils disent ça? Eh bien, ils ont bien raison. Mais dites-moi, Cerise, dans 10, dans 20 ans. 10 ans, 20 ans, ça sera toujours bon à prendre. Et puis, croyez-moi, il faut prendre la vie. Ah oui, mais alors là, je vous arrête, là, je connais par cœur le texte, voilà. Bon, eh bien, écoutez, je crois que rien ne me permet de faire obstacle à votre bonheur, hein. Voilà, eh bien, je m'incline d'autant plus profondément que je vois là le doigt de Dieu. Et ce doigt me... Oui, mais enfin, là, c'est autre chose. Là, c'est une autre histoire. Voulez-vous que j'aille chercher le fiancé, non, s'il est prêt, non? Dites-lui de venir me prendre à l'hôtel. Nous devons aller au cimetière Montmartre. Maman veut faire le tour de quelques tombes familiales. Ah, et ben alors, gai Paris, hein? Enfin, je veux dire, bonne promenade et bon air. Je peux vous embrasser. Oh, mon Dieu, oui. Essayez d'obtenir de Jérôme, lors de vos prochains ébats, qu'il vous compare à un fruit un peu plus conséquent, voyez. Il ne voudra jamais. Ah bon? C'est lui qui a découvert que j'avais la bouche en cerise. Ah bon, c'est lui qui... Oh, bah alors. À bientôt, belle maman. Non, mais ça va. Non, mais non, il va falloir la mettre à l'eau de vie, vite fait, celle. Ah non, mais quel réveil! Je voyais tout le temps Patrick en surimpression, là. Ah non, mais quel choc! Et quelle leçon! Elle a dit une phrase très, très belle, ma Bru. Nous passerons sans nous en apercevoir de la passion à l'amour et de l'amour à la tendresse. Et voici le tendre objet. Ah. La place est libre, c'est bon? Ouais. C'était cette cerise? Non, trop long à t'expliquer. Ah. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu voulais me dire de si urgent? Que comptes-tu faire pour les vacances de Pâques? Bah, les vacances de Pâques, dis donc, c'est pas demain, hein? Ah oui, mais tu sais très bien qu'il faut retenir. Ah bon? Et si on allait faire du ski de printemps tous les deux? Du ski? Je sais pas si le ski est le genre de sport dans lequel puisse se lancer une femme du monde en toute grâce et en toute dignité. Oh, mais je serai là.
Je te protégerai. Ah. Il suffit de se laisser glisser. Oui, ensuite, je commence à voir la vie. Bon, de toute façon, on passe les fêtes de Pâques ensemble. Ah, d'accord. Dis-moi, ma chérie, je peux me servir de votre... Mais oui, mon amour, mon trésor, ma vie. Non, Patrick, je sais ce que tu penses. Et jaloux avec ça. Il est parti, le type, là? Oui, oui. Qui c'est? Eh, dis, je te dis ce que j'ai vu ce rose. Ah bon, elle est venue sans prévenir, comme ça, toute seule. Oui, toute seule, on va toucher. À son âge, elle peut traverser la rue sans... Je pense qu'elle avait très envie de voir la réaction de sa future belle-mère, tu vois. Oui, hein, j'ai préféré préserver la surprise. Eh ben, je te remercie, mon chéri, je l'ai eu la surprise, mais dis-moi. Oui. En dehors du fait qu'elle est beaucoup plus vieille que toi, qu'est-ce que tu lui trouves? Bof, elle a des qualités, oui. Mais la plantation est très belle. Je vois. Mais sérieusement, toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh, ben moi, je... Ce oui. que j'en pense, ben... Je la trouve charmante. Je pense que vous serez très heureux, mais que vous n'aurez pas beaucoup d'enfants. Et dis-moi, là, qui c'est cet ami qui avait l'air furieux de me voir hein? Oh, un ami qui passait, tu vois. Oui. Grâce à lui, je suis heureuse que Cerise passe dans la tienne, tu vois. Ah, grande coquine. Et l'architecte, lui, tu l'as laissé tomber? Non, mais il faut croire que ta mère, en vieillissant, a besoin de beaucoup de compagnie. Puis c'est un peu ta faute, Antillet, si je suis dans cette confusion délicieuse. Ah, tu as bien raison, ma chérie. Ouais. Venez voir pourquoi elle avait besoin d'être seule. Ah, vous me croyez maintenant, hein? Voilà, je vous présente mon petit dernier. N'est-il voilà. pas sympathique? N'est-il pas beau, mon Jérôme? Hein? N'est-ce pas la plus achevée, la plus réussie de mes créations, mon fils? Oh! Que tu as grandi, mon Ah, dis donc, et tu t'es fait couper les cheveux, Dieu merci! Salut! Bah, salut Jérôme, alors. Et voilà, au lieu de t'énerver, là, alors... Bon, il est venu me présenter sa fiancée, Cerise. La dame très chic qui était là tout à l'heure. Bah tu vois, ma chérie, plus de complexe. Allez, mon chéri, va finir de prendre ton deuxième bain. C'est pas possible, c'est la salle n'est pas perdue, ça. Ah. Je suis en double fil. Ah bon? Messieurs, oui, Valentine. J'ai très bon espoir. C'est vrai? Par une indiscrétion, j'ai appris. Ah. Mais je vois que ça s'arrange. À repousser les offres de nos concurrents. Ah bon hein? Alors, je vous laisse le numéro 2. Vous me le peaufinez, vous me le fignolez, vous en prenez soin. Je vous fais confiance. Hein? D'accord? Dis-moi, ma chérie, tu n'aurais pas une personne. Les miennes ont dû filer sous le lit. Si, dans le dernier tour, exactement pour un mariage dans une plantation de canne à sucre. Je suis bien content que nous soyons seuls tous les deux. Ah bon? Ouais, c'est vrai? Oui, j'ai une question ou deux à vous poser. Ouh, bah alors très bien. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Croyez-vous que j'aime Valentine? Oui. Êtes-vous sûr de l'aimer? Ah oui. Croyez-vous qu'elle vous aime? Ah oui, aussi, oui. Et croyez-vous qu'elle m'aime? Oui. Ouais, dites-moi, là,
Pour le recensement, ils sont déjà passés la semaine dernière. L'INSEE, tout ça. Oh non, ça, ça doit être un sondage pour la presse du cœur. Et vous trouvez ça raisonnable que Valentine vous aime? Non, mais non, raisonnable, non. Je me sens bien trop jeune pour elle. Ah, ouais, c'est vrai, quoi. C'est une femme qui a tant vécu et qui vous apporte tant. Qu'est-ce que j'apporte, moi? Rien. La jeunesse, c'est peu. Peu? Eh ben, bientôt vous ne direz plus ça, hein. Oh, et je m'en fiche, hein. Je me ferai faire un lifting. Oh, je vous en prie, j'ai pas envie de rire. Eh ben justement, c'est ça qu'on vous reproche, surtout les femmes. Elles adorent rire, les femmes, figurez-vous. Oui, vous les aimez, c'est vrai. Mais pas comme elles aiment être aimées. Elles aiment être aimées allègrement, gaiement. Mais si hein, il faut se promener comme vous, là, allègrement, gaiement. Porter des baskets ou bien puiser sa gaieté dans les bandes dessinées, je suis désolé, ce n'est pas mon style. Mais de changer de style. Ah, oh, ce qu'a aimé Valentine, c'est l'aventure. Oui, en toute femme, il y a une aventurière qui ne dort que d'un œil. Ah, un roman, un film, la rengaine à crooner, la rose d'un fleuriste, et hop, c'est le déclic. Bon, ça peut être l'aventure d'un 5 à 7 comme ça, là. Peut-être l'aventure de 5 à 7 mois, sur l'Himalaya. Et vous croyez que ça va durer 5 à 7 mois, vos amours? Nos amours? Oh bah encore, heureux que vous n'ayez pas mis vos amours coupables. Non, nos amours, soyez patients. Nous savons très bien, Valentine et moi, que cette passion n'est qu'une amourette. Ah, oui, amourette, dans le dictionnaire. Petit Robert. Amour, passager, passager comme le liseron qui s'entortille autour d'un amour plus solide, le vôtre, liseron. Ah, liseron, je connais très bien, je suis plus au liseron. Plante volubilée, éphémère, je suis le liseron, je serai éphémère. C'est que je ne suis pas très patient, hein. Quand t'as joué à cette bataille de fleurs, mais justement, battez-vous, bon sang, allez. Oui, ça distraira. Puis ça distraira Valentine. L'aventure, quoi, tout ce dont elle a envie. L'aventure et les aventuriers. Et on dirait vraiment que vous ne connaissez pas les femmes, vous, hein. Plus on est nombreux à se bousculer au portillon, figurez-vous, et plus elles sont heureuses. Qu'elles se donnent ou qu'elles se refusent, ce qu'elles veulent, c'est qu'on ait envie d'elles et qu'on ne leur fasse comprendre. Bon, pour arriver à ces fins, là, c'est autre chose, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a plusieurs méthodes, mais en tout cas, il y en a une qui est vouée à l'échec, la vôtre. C'est de leur donner l'impression qu'on les aime. Ah bon? Oui. Écoutez bien, il faut leur faire croire ou bien qu'on est fou d'elles, ou bien qu'on ne les aime plus. Mais il n'y a pas de juste milieu, là. Entre les deux, ça marche pas. C'est ou là, mais non, là, non, ça marche pas. C'est un piège que vous me tendez là. Non, non, mais je vous jure. Mais quoi, c'est vrai. Oh, mais non, mais... Moi, mais c'est vrai, nous compétons très bien tous les deux, non, c'est... Non. Ouais, ouais, non. Mais et supposons que je réussisse et qu'elle vous fiche à la porte. Je sais pas, moi. Oh, il y a une fenêtre. Hop, je reviendrai. Bon débarras. C'est Patrick qui partait. Oh, rassurez-vous, ma chère, il reviendra. Ah bon? Dis-moi, mon chéri, tu diras à cette dame cerise qu'elle me téléphone après leur cimetière. J'irai prendre un kirsch avec maman griotte. Si tu dois être désagréable. Non, 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 sois tranquille, mon chéri. J'ai fait un beau chapeau à fleurs et je serai souriante comme la reine-mère d'Angleterre. Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? Je ne t'aime plus. Mais c'est formidable, ça. Bien réfléchi et je ne t'aime plus. Voilà, tu es contente? Ah ben, je ne sais pas si je suis contente, mais alors toi, c'est incroyable, mais tu es plus fort que tous les héros de l'Antiquité, plus fort que tous les personnages de Racine. Ah, dis donc, chapeau, hein. Même Bérénice continue à aimer. Non, même Titus continue à aimer Bérénice, pardon. Voilà. Vois-tu, Valentine, je ne suis pas un homme qui partage, c'est tout. Ah bon, quand tu es sur le continent, souvent t'es dans le continent. Je compris, j'ai mis du te l'avouer. Oui, ben moi qui suis une femme honnête et fidèle, je t'ai avoué, Patrick. Alors, Une passade, j'aurais accepté une passade. Mais c'est une passade qui ne passe pas. Il s'incruste, Patrick, la preuve. Et moi, j'ai beau être bourgeois.
bourgeois. Ça, ah oui, alors. Ah, ah, mon pauvre Gérard, mais tu ne comprends donc rien. Ah, mais si, je comprends que tu veux garder deux hommes dans ta vie. Deux? Pourquoi deux? Trois, quatre, cinq, six, enfin non. Mon fils, Patrick, quoi, Carmarek, oui, Carmarek, qui m'ont aussi fait la cour, oui. Je veux garder tous les hommes qui passent dans ma vie, tous, comme amis, comme amants, peu importe. Ce qui compte, voilà, c'est qu'ils soient là, hein, voilà. Et oui, je veux être folle, je veux faire les 400 coups avant le dernier coup de vieux, voilà. Tu es folle, on aurait pu vieillir ensemble. Ah bah très peu pour moi, alors là, vieillis tout seul, là, alors là. On aurait pu voyager, changer d'air. Oui, mais moi, je n'aime que l'air, Paris et les seuls voyages qui me conviennent, les seuls changements d'air qui me conviennent sont d'un arrondissement à l'autre. Tu es une grande malade. Donc j'étais malade. Je suis une convalescente qui pète le feu. Eh bien, pète le feu toute seule. Ou non, tiens, avec mon gigolo. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je t'ai dit tout ça, puisque j'ai décidé de ne plus t'aimer. Ah. Et puis tu sais, il y en a d'autres que toi. Oui, oui, là, ils font la queue derrière la porte. Mais il n'y a pas d'amour dans la vie, hein. Il y a le travail, les amis. Oui, tu oublies les voyages qui forment la vieillesse. On peut très bien se passionner, enfin, on peut très bien se divertir différemment, se passionner pour mille autres choses que les femmes. Oh, bah oui, ça, vous pouvez très bien, c'est sûr, hein. Bien sûr, il y a l'amour. Ah oui, ça, bien sûr, oui. Qu'on appelle affection ou tendresse, c'est l'amour. Eh oui, c'est l'amour. Mais après tout, un homme, c'est un homme. Oh là là. Et un homme, c'est solide. Oui. Et si tu décides de se passer d'amour, tiens, prends les militaires dans le désert. Oh, oui, oui. Les pétroliers sur leur plateforme en mer du Nord. Oh. Bien sûr, il y a l'amour. Bien sûr, oui. Oh. Mais je vais te dire, hein. Oui, dis-moi. Plutôt que d'être malheureux, même pas, de ne pas être très heureux en amour, eh bien, vaut mieux carrément s'en passer. Voilà. L'essentiel, c'est de travailler. Ah. Ben oui, mais c'est ça. J'ai étudié la possibilité d'un nouveau chantier, loin sur une de ces îles océaniques. Mais pourquoi pas? Mais c'est pas une idée bête, ça. Ils ont peut-être besoin de chalets savoyards, là-bas. L'essentiel, c'est d'oublier Paris et de t'oublier toi. Je peux très bien être heureux, loin, sur une île, comme Robinson. Avec deux ou trois vendredis, pourquoi pas, hein? Ah oui, je vois bien une paillotte, un lagon, oh, les couchers de soleil. Et la bête est heureuse, oh. Y aller. Oh, tu te moques, hein, parce que tu crois que je ne peux pas vivre sans toi, hein. Mais tu vas être bien embêtée, ma petite, hein, quand tu vas t'apercevoir, hein, que je vis très bien, que je vis une vie épanouie de célibataire endurci, oh là, que je ne pense plus à toi, que je t'ai rayé, effacé, gommé, oublié. Non, mais c'est pas la peine d'en rajouter, on avait compris, rayé suffisait, hein. Oh, bah, dis-moi, vous croyez indispensable, hein. Ah, vous croyez que vous n'êtes pas capable de faire une valise, hein. Ah, ben vous allez voir, on peut vivre bien plus heureux sans vous et bien plus tranquille. Ah oui, je ris rien qu'à l'idée de la tête que tu feras quand tu vas t'apercevoir que Gérard, hein, ben c'est fini, foutu, parti. Et là, tes soirées vont être longues parce que les jeunes premiers, hein, là, qui viennent se faire materner, là, ben ça se trouve pas sur les pas d'un cheval. Un peu plus, aucun retrouvé. À ce moment-là, tu me chercheras partout. Ah bon? Gérard! Oui, Gérard! Eh bien, Gérard sera loin, sur une île d'Océanie, loin des femmes d'affaires parisiennes qui ont le nez unique et un cœur d'artichaut. Ah non, hein? Oh là! Plus de femmes, surtout plus de femmes! La vie est courte! Les nuits sont longues. Ah. Adieu! Et bonne chance! Et j'oublie. Ah bon? Quand je serai sur ces îles, pense au décalage horaire. J'ai horreur d'être réveillé. Eh bien moi, voyez, je me sens pas du tout, mais alors pas du tout, l'âme du pétrolier sur sa plateforme en mer du Nord. T'es encore là? Je m'en vais comme un prince. Au moins.
maintenant un neveu. Ah non, non. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, rien. Enfin si, c'est passé. Il est passé une image. Une image en forme de cerise. Oh, mais ne sois pas bête, ça c'était l'image d'un bonheur. Oui, peut-être, peut-être. Mais toutefois, je vais te demander quand même, je vais te demander, comme preuve de tendresse, oui voilà, comme preuve de tendresse, de ne plus revenir pendant quelques jours. D'accord. Enfin, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de repousser un homme épris et passionné. N'oublie pas que la passion, Valentine, c'est comme les cyclones. Ça fait voler les branches et les feuilles. Je serai un cyclone. Je ferai tout voler en l'air pour toi. Tu n'as pas le droit. Mais toi non plus, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Ta passion, mais c'est même pas une passionnette, ta passion. Mais non, mais sais-tu ce que c'est que la passion? Non, comme les enfants qui apprennent à parler, tu emploies des mots que tu ne connais même pas. Mais ta passion, c'est même pas une passionnelle. Non, tais-toi. La passion, mais c'est un paroxysme, c'est une folie, c'est une maladie. On pleure quand il faut rire, on rit quand il faut pleurer. Et toi, mon pauvre Patrick, tu me fais rire, parce que tu ne sais même pas encore ce que c'est que pleurer. La passion, mais c'est un opéra. Et toi, tu me joues un bien charmant et bien agréable petit air de flûte. Non, mais la passion, mais c'est tous les cuivres à la fois. La passion emporte tout, elle. C'est un paroxysme, c'est ce que j'ai déjà dit. Et toi, tu supportes Gérard. Alors, si tu es vraiment passionné, mais je sais pas, moi, prouve-le. Supprime Gérard. Ou moi. Oh non. Oh moi, oui, puisque j'aime Gérard. Allez, supprime-moi. Ah, mais non. Mais non, moi, la passion est la passion est exigeante, elle emporte tout. Moi, je sais ce que c'est que la passion. Ah bon? Tu l'as vécu? Non, je t'attendais, tiens. Papa, si tu veux, je peux... Non, je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît, pour me faire plaisir. Allez, j'ai besoin d'un peu de solitude. Allez. D'amour, un coup, je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Je te vois toute nue sur du satin, j'en dors plus, viens me voir demain. Mais tu n'es pas là, et si je rêve, tant pis, quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là, et tu serais en vie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Je mets tes photos dans mes chansons, et des voiliers dans ma maison. Je voulais me tirer, mais je me tire plus. Je vis à l'envers, j'aime plus ma rue. J'avais 100 ans, je me reconnais plus. J'aime plus les gens depuis que je t'ai vu. Je veux plus rêver. Je voudrais que tu viennes me faire voler, me faire je t'aime. Mais tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la solitude, et bien tu l'as, et définitivement. Il ne viendra pas, il ne viendra plus, c'est fini. Voilà. Je me fais de ses peurs, moi. Vous allez gagner des millions et des millions.
croyez pas que j'avais un cœur? Oh ben si, 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 mais qu'est-ce qu'il a, ce pauvre cœur? Ah, je les retiens, vos conseils, hein. J'ai dit à Paulette, je t'emmène une semaine au Mont-Saint-Michel. Et ben, vous savez ce qu'elle m'a répondu? Qu'elle aimait pas le Mont-Saint-Michel. Non, elle m'a dit, je veux bien faire l'amour avec toi au boulot, c'est comme la pause café et les petites vacances. Mais alors, en vacances, faire l'amour avec toi, c'est plus des vacances, ça rappelle le boulot. Presque officielle. Voilà, oui, je te disais que je n'étais pas sûre que tu viennes. J'avais fait faire une enquête en Océanie pour savoir si tu étais dans une des îles là-bas. Et puis non, voilà. Alors je me suis dit, est-ce qu'il m'aime encore? Tiens, le vin a changé. Oui, la femme a changé, le vin aussi. Tu crois ça, Valentine? Mais au fond de toi, tu es toujours la même. On ne change pas en quelques jours. Oui, ben si c'est ce que tu crois, tu vas avoir des surprises. Ah. Voilà. Oui. En tout cas, tu es splendide. Ah bon, oui, non, moi je ne pas quand même. Non. Si, oui, si. Oui. Mais bon, ça fait rien. Tu vas avoir quand même des surprises. Tu vas voir. Je vais me faire masser, laminer, remonter, tapoter comme une escalope. Oui, la prochaine fois que tu me vois, je serai une petite fille en broderie anglaise et avec des couettes. Je crois même que je vais faire une dandy. Quand j'ai vu dans le message cravate soulignée, je pensais que c'était un banquet, qu'il y aurait un ministre qui viendrait accrocher le mérite agricole à ton nez. Ah, il y aurait pu. Ah bon? Nous avons gagné la... Oui, on a gagné le coup de soleil. Non, oui. Bravo! Non, moi, je décore de... deux baisers. Et je me souviens d'un anniversaire... Ah, non, laisse tomber l'anniversaire, laisse tomber. Non, ce soir, nous fêtons notre rencontre. Voilà, une rencontre, la nôtre, voilà. Mm-hmm. Alors,
on ne se connaît plus. Je suis une autre Valentine, d'accord. Et toi, tu vas me faire plaisir d'être un autre Gérard. Faire l'effort d'imagination, de mémoire, comme tu veux. Donc tu ne me connais plus et tu dois essayer de me séduire, d'accord. Alors on va jouer au jeu de la découverte, ça va être amusant et ça va nous rajeunir. D'accord, allez, amusons-nous. Amusons-nous. Ah non, tu vas pas te mettre à fumer la pipe, comme chaque fois que tu as une situation que tu digères très mal ou un repas que tu digères très bien. Non, fini la pipe, terminé, moi j'en veux plus de la pipe, hein, pas question. Hein. Bon, allez, hop, ce soir, on improvise. Ouh, par contre, je t'ai acheté des Havanes, ça je sais que mon nez supporte. Oh, voilà. Merci ma chérie. Mais tu vois, tu joues plus déjà. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est, ce canard? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Toi? Mais c'est pas possible, mais enfin, mais... Oh, bah, ça commence bien la soirée, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a? Un homme t'a fait du chagrin? Oh, bah non. Un homme qui dirait de me faire du chagrin, ça pourrait plutôt m'aller. Non, c'est l'école de Mathieu. Vous savez ce que m'a dit la directrice? Non. Eh ben, elle m'a dit, je veux pas continuer de voler comme ça. Allez, tu vas rentrer chez toi et puis tu vas prendre un bon calmant et... Non, je vais pas rester ici. Hein. Non, ce serait tout de même plus gai. Et puis si je suis toute seule, sans que je vais te flaguer. Hein. Oh, bonsoir, monsieur Gérard. Je peux servir la tête. Non, je vais travailler un peu, c'est non, non, je t'en prie, sois gentil. T'es un amour, mais nous préférons rester seuls tous les deux. Voilà. Ouais, mais je pense que alors que si tout arrive là. Non, s'il te plaît, tu ne touches à rien. À rien, tout est prêt, voilà. Non, tu casses tout, alors ça... ça... Laissez-moi rester chez vous, ma reine, s'il vous plaît. Oh, par terre, dans un petit coin, sur des coussins, hein. Je suis sûre que monsieur Gérard... Mais bon, allez, ça va, du coup, toi, tu vas prendre la deuxième chambre à gauche. C'est pas vrai, ça. Complet, ça... C'est complet. On ne peut pas le laisser deux minutes. Hein. Tu ne peux pas te mettre à dire le monde, enfin. Il faut arrêter là. Non, ce soir, c'est la fête, je t'ai dit. Hein? Alors, on va dîner. Et puis après, on va peut-être aller en boîte. On va aller danser toute la nuit jusqu'à en crever, d'accord? Hein, on va, je sais pas, moi, le guitariste va peut-être me faire de l'œil. Et puis peut-être que je partirai avec lui. Je veux être folle, je veux être légère. Je veux faire le 400 coups avant le dernier coup de vieux, comme j'ai dit tout à l'heure, voilà. Tu devrais te faire psychanalyser, oui. Tu connais un bon psychanalyste, il est beau gosse. Mais non, mais tu me reproches les glaïeuls, la Bible, le journal, et toi? Moi, je suis une image pieuse. Oh, bah oui, une image pieuse qui, la nuit, se dresse en hurlant. Et pourquoi n'ai-je pas pensé à l'héliotrope, hein? Mais dis donc, un peu de poésie la nuit, et toi, tu te plains, mais il y a des hommes qui paieraient pour les vivre ces instants de poésie. Ah ouais, ah oui. Et être réveillé à 6h du matin, en hurlant, et tu me dis, rage de dormir, je file au labo, génie de génie. Bah, est-ce ma faute à moi si j'ai du génie, quand même? Et le jour comme la nuit, tu t'agis. Non mais, pourquoi ne met-il pas la retraite à 50 ans? Mais jamais je ne prendrai ma retraite, jamais. Oh. Tu entends? Ah non, la retraite, mais quel mot horrible, enfin. Mais c'est pas possible ça, non. Je crois même que je vais m'inscrire à la Sorbonne. Peut-être même me présenter aux prochaines élections. Je veux voir, je veux savoir, je ne veux pas mourir idiote et je ne veux pas mourir vierge, voilà. Vierge? Ah oui, vierge, tant de choses, oh. Nos amours très heureuses m'avaient rendu ma virginité, je veux la perdre, voilà. Tu es folle, oui? Oui, je suis folle. Et toi, tu veux être fou avec moi? Allez, oh. On joue. Allez, soyons fous. Bon, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à faire, hein? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes? Tu as une idée géniale, quelque chose de bien? Il y a très longtemps que je rêve de... De quoi? De faire les bords de la Meuse. Les bords de la Meuse. Ah bon?
Alors, en gondole, peut-être. Oh, si je pouvais être le gondolier. Non, allez, propose-moi la descente du Colorado, plutôt. Hein? Non, non, sinon, ce que je peux faire aussi, c'est acheter une nouvelle voiture et puis on pourrait faire... Oh, oui, le Paris-Dakar, ça, c'est tentant. Non. Je pensais plutôt le Tour de France, avec une belle remorque. Non, mais regarde-moi, j'ai une tête à être remorquée, moi. Oh, j'ai une idée. Dingue. Oh, c'est dingue, oui. Alors, vas-y. Ah bon, c'est en... Oui, c'est du mime, là, oui. Ah, là. Ah, refais voir, là. C'est la Transat en ballon. Ah, mais non, mais c'est pas possible, on pourra jamais rentrer à trois dans la nacelle. Pardon? Mais on va pas laisser à terre Patrick, le plus jeune, le plus sportif, le plus utile, quand même. Mais non, je pensais plutôt à dire à tout le monde qu'on partait de Paris, ne pas quitter Paris, s'installer dans un beau palace, et redécouvrir la capitale avec des regards, un regard tout neuf. Mais tu as vraiment envie de mourir, toi? C'est parce qu'au bout de 48 heures à tourner en rond, mais je t'aurais tué, bien évidemment. Bien évidemment. Eh ben oui, oh, moi, meurtrière, me défendre toute seule, les assises, debout, à la barre, tragique, en veuve. Oui, monsieur le président, c'est moi qui l'ai tué. Vous avez déjà vécu 20 ans avec le même homme? Non, hein? Ah si? Messieurs les jurés, messieurs. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Vous permettez, on n'a rien à voir là-haut. Oui, on va prendre la bouteille. Allez. Alors, je peux me prendre un petit coup? Ou deux? Oh, plus non. J'emporte. Mais ils sont combien là-haut? Moi, j'en ai vu passer deux, et toi? Bon, ben, je sais pas, mais là. Non, mais t'inquiète pas, il y en a une autre. Ah. Mais dis-moi, oui, non, je t'aime trop, allez, viens. Je risque pas de te tuer, t'inquiète pas, va. Allez, viens, viens, viens. Dis-là, oui. Tu te souviens quand on s'était rencontrés, sur le parapluie et tout ça, la première fois, tu avais un peu de chartreuse madérisée, il t'en resterait pas. Depuis 20 ans, dis donc. Elle serait bonne, la chartreuse. Non, mais tu vas avoir ton dessert favori, une crème renversée faite de mes blanches mains. Oh, allez, viens. Dis donc, oui. Le jeune homme, tu as vraiment l'intention de le retrouver? Ah mais bien sûr, on passe les vacances ensemble. Non. Ah si. Mais non. Mais si. Oh écoute, nous ne sommes pas mariés, que diable. Et laisse-moi alors vivre mon ski de printemps quand même, alors. Hein, c'est vrai, j'ai envie de faire un peu de ski, allez. Patrick, c'est l'accordéoniste d'un soir, je suis lucide, tu sais. Laisse-moi écouter encore quelques arpèges, hein. Voilà, bon, allez. Oh, oh, oh. Ah, alors là, quelque chose dans cette mise en scène me dit qu'on ne m'attendait pas, hein. Ah, mais pas du tout, même. La robe du soir, bijoux, smoking, oh, la classe. Et par contre, il n'y a pas de champagne. Ah, ça, c'est bizarre, quand même. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On tourne, il y a des caméras, quelque part, là. On tourne pour la télé? Au cinéma, peut-être? Oh, je sais. Une rétrospective des années 50, c'est ça? Ouais, parfait, alors ben, je vais jouer le rôle, alors. Qu'est-ce que j'aurais dit en arrivant à cette époque-là? Non, mais non, là. Oh, Valentine! Vous aviez un amant? Et le monsieur sérieux, c'est lui? Ah ben, jolie mœurs, jolie mentalité, hein, ouais. Ouais. Valentine, je vous méprise. Deux hommes, il y en a un de trop. Adieu, je vous quitte. Eh bien, moi, je ne vous quitte pas, je reste. Bah oui, pourra vous y faire, quoi. J'aime Valentine, et j'ai besoin d'elle. Et elle a besoin de vous. Bah, vous avez besoin d'elle, nous avons besoin de tous, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, et puis nous trois, en fait, ça fait comme un triangle isocèle. Bah oui, je vous explique. La base, Valentine. Le côté droit, moi. Le côté gauche, vous, Gérard. Ah oui, non, mince, gauche. Pardon, droit, hein, la droite, ce sera mieux pour vous. Mais prenez la droite, je prends la gauche, et bien voilà. C'est votre éducation, quoi, là, c'est votre âge, hein. Bon, et bien tout est réglé, allez. Oh là là, et puis d'abord, cessez de jouer les scènes d'amour démonées durant mon absence, parce que d'abord, j'ai l'impression d'être un gamin pour leur privé de dessert. Puis croyez-moi, tous les deux, vous avez besoin d'un gamin, hein.
parce que les émissions historiques, là, les rétrospectives, c'est bien de temps en temps. Mais l'avant-garde, c'est pas mal non plus. Allez, en avant, mes enfants. Et puis, allez, Gérard, un petit peu de fantaisie, quoi. Parce que 50 ans de conformisme, c'est pire qu'un gilet pare-balles. Mais là, tu es un peu juste, Patrick. Gérard avait commencé à piquer son gilet pare-balles avant que tu n'arrives. Tu es dans la lune, Valentine. Je sais que tu es timide, discrète et tu vois, tout ce que tu veux. Mais tu aurais quand même pu proposer à Patrick de s'asseoir avec nous, de partager le dîner. Je t'assure qu'à force de ne penser qu'à ton nez, tu en deviens mal élevé. Mais il n'y a pas de nez. Il y en a pour deux, il y en a pour trois, non? Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? On dirait que je dis des choses extraordinaires. Bon, allez vous chercher des couverts dans la cuisine. Allez. Tu te permets, Valentine. Hein? Elle permet. Allez. Mes affaires. Voilà. Ah oui.
Oh, Patrick, on a beau dire quand même, hein, mais le bon fauteuil Voltaire, ça a bien du charme, hein, quand même. On est bien content de le redescendre du grenier, quand même. On peut s'y reposer, on peut aussi se cacher, mais enfin, bon. Non, non, je ne m'en débarrasserai jamais, j'aurai l'impression d'être veuve. Oh, il me sourit. Et là, quand il me sourit, alors... Là, moi, je fonds. Oh. La brioche, ça s'appelle quand même la brioche. Oh, je t'assure que ça ne se voit pas. Oh, mais tu dis ça parce que j'ai ma robe de chambre. Non, allez, 15 jours d'abdominaux et ta brioche devient galette. Oh non, mais regardez-les. Des duettis. Des voix à la groupie. Mes chéris, le café et Valentine sont prêts. Oui, honnêtement, mes chéris. Ah, le drame, c'est que je fonds aussi quand Patrick me sourit. Ah oui, non, ça ne peut pas, ça ne doit pas, c'est pas... Pourtant, Patrick, il a l'enthousiasme dont j'ai tant besoin dans mon travail, dans mon métier. Mon métier, hein. Quel hypocrite je fais. Bon, c'est décidé, on part en Corse. Je trouve que Valentine est une petite mine, tu trouves pas, toi? Ah, elle a peut-être une petite mine, mais alors pour ce qui est du dynamisme, pardon. Oh, oh. Oh mes chéris, vous êtes deux grands gâtés, là. Je vous ai même fait du pain grillé. Voilà. Les deux. Gardez les deux. Ah non, ça ne serait pas... Non, ça ne serait pas moral, quoi. Ça serait... Ah non, et puis ça serait inhumain. Enfin, surhumain. Jamais j'aurai la santé, quoi. Quoique la santé, je l'ai. Alors là, la santé, c'est même ce que j'ai le plus. Alors j'en ai à revendre, là. Seulement dans 10 ans. Où en serons-nous dans 10 ans? J'aurai certainement débronzé, parce que vous savez, les coups de soleil, hein. Alors bon. Madame Matignon. Merci. Et attendez! C'est toi? Ah non! C'est toi? Ah non! C'est vous? Non, 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 me dites pas oui, parce que j'ai beau avoir la santé quand même, hein! Thank you.
bien. La pièce que nous avons jouée devant vous ce soir est de Marcel Mitois. Oui, mise, voilà. Mise en scène par Annie Daupnier. Más que en el papá, salen
pas de